Everything we think about you is great. You are great. You are great, Jesus. You are great, mighty Savior. You are great. You are great, Jesus. You are great, Papa. Everything about you is great. You are great, Jesus. You are great, Daddy. You are great, mighty Jesus Christ. You are great. You are great, Jesus. You are great, Jesus. Everything about you is great. Poverty bow before you, Lord. I don't bow before you, Lord. She right bow before you, Lord. Everything about you is great. Powers bow before you, Lord. Situation bow before you, Lord. Problem bow before you, Lord. Everything about you is great. Disgrace bow before you, Lord. Failure bow before you, Lord. In this service, you must bow. Situation bow before you, Lord. Everything about you is great, Jesus. You are great, Papa. You are great, Daddy. You are great, mighty Jesus. You are great, you are great, Jesus. You are great, Daddy. Everything about you is great, yes, Lord. You are great, Jehovah. You are great, Jesus. You are great, mighty Jesus. You are great. You are great, Jehovah. You are great, Jesus. Everything about you is great. Disgrace bow before you, Lord. Situation bow before you, Lord. You know, everything about you is great. You are great, Jesus. You are great, Jesus. You are great, mighty Jesus. You are great, Jehovah. You are great. Everything about you is great. Before you, every demon that troubles you, do the work in the trouble, do the work in the trouble, do the work in contest, God that what they do, do the work in contest, God that move, the move they do, that might be, do the work in contest, he contest, he reclam, he resist, he delay, follow the program and the plan they do, that might be. By the power of the Holy Ghost and the fire of God, don't die from heaven, don't die from heaven, don't die from heaven, don't die from heaven. Look at them, smash them to pieces, smash them to pieces, please them, pierce them. Pouvoir qui refuse le mouvement de Dieu. Pouvoir qui refuse le mouvement de Dieu dans ta vie. Le mouvement de Dieu dans ta destinée. Le mouvement de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu qui veut restaurer, qui veut restaurer ta vie. Bien-aimé, priez. Problème depuis des années, ne peut pas continuer encore dans cette année.
La fin de l'année là, Seigneur, je refuse tout de rejeter, je refuse tout de rejeter, je refuse tout de rejeter, je refuse, I refuse, I reject every situation. Every problem that challenges the word of God in your life. Tout problème qui challenge la parole de Dieu dans ta vie. Toute situation, tout demande, toute alliance satanique qui challenge le mouvement de Dieu, la puissance de Dieu, la voix de Dieu, la parole de Dieu dans ta vie. Pour voir qui challenge, qui attaque ta destinée. Ennemi de la gloire, ennemi de la joie, ennemi de destinée. Pour voir qu'il manipule. Ta contact de naissance, ton jour de naissance, ton Saint d'espèce, pour voir qu'il y a de manipuler, qu'il y a de changer, qu'il y a de programmer les choses qui ne vont pas, qui ne vont pas bien, ton contact de naissance, ton jour de naissance, ton jour de naissance, Seigneur Jésus-Christ, localise le pouvoir, ton secours, brisé, décliné par ton fils. Destroy that power. That manipulating, working against your date of birth, working against your date of birth, working against your time of birth, working against your destiny, working against your God, working against your peace, working against the plan and the program of God for your life. Any power behind the scene, I command them, receive thunder from God, receive it, thunder from God, smash them to pieces. Smite them to pieces. Lord Jesus, set your children free. We are in the end of the year. Your life cannot control like that. Your life cannot control like that. That plan, that program of darkness against you, by the power of resurrection of our Lord Jesus, I command that power, let them be paralyzed. Let them be paralyzed. Let them perish. Pour pouvoir qu'ils contiennent comme la voix de Dieu. Pour voir qu'ils contiennent comme la bénédiction que Dieu a déjà relâché sur ta vie. Pour voir qui dit, pourquoi tu vas les bénir? Pourquoi tu vas les bénir? Pourquoi tu as dit que tout le sang que Dieu t'a donné, tu vas gaspiller tout. Tu ne peux pas comprendre comment tu dépenses l'argent, que tout l'argent va disparaître dans ta main. Le bon chose disparaît dans ta main. La joie disparaît dans ta main. Oh Dieu, lève-toi. Pisse-le. La honte, pour voir qui programme la honte sur ta vie. Qui programme la chair sur ta vie. Qui programme la pauvreté sur ta vie. Pour voir qui programme toutes choses qui ne va pas dans ta vie. Seigneur Jésus-Christ, localise ce pouvoir. Pisse-le, depuis le nom de Jésus. Pour voir qui programme maladie. Pouvoir dans ta maison de ton père. Pouvoir ancestral. Power, ancestral powers. Ancestral powers. Demons, shrine of your father's house. Altars in your village. Altars in your country. Altars in your father's house. Altars in your mother's house. That are vow that you never succeed. Ah, Jesus. Upon your life, you are giving to Jesus Christ. They are fighting you. Whenever good thing want to come, they say never. They block all your God. They block all your love. The power of your ancestors. That power, that attack, that strength. Whatever your ancestors have worshipped, whatever you have made covenant with, that is still troubling you. Because you have been bought by blood of Jesus, I decree today, you are free. Blood of Jesus, set your children free from bondage. Break us out from that bondage. I am this. The silver. The sword. Jesus. La honte, la maladie générationnelle. Sickness. The Lord has come to buy you by his blood. Out of that sickness, that generational sickness. In this service, I declare your freedom in the name of Jesus. They declare that liberty. They declare that liberty. Don't say to you. Jehovah Shalom. N'importe quel pouvoir qui vient de ton rêve, a very, very important.
N'importe comment. Et déclare dans cette coudre que tu vas pouvoir soit enterré dans le Jésus. Enterré dans le Jésus. Enterré dans le Jésus. Au nom puissant de Jésus, dans vos prières. Bien-aimé, Seigneur ne fait pas, ne fait pas quelque chose sans demander la personne d'avoir sort. Dans la vie d'Abraham, moi, des fois, je ne sais pas comment, la Bible il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose dans le livre de Luc. Bible s'est sorti et Luc. Mais God deliver us, mais God open our eyes, mais God make us understand the word of God. To them who want to understand the word of God. To them who want to make heaven. Bible is for the dead that want to make heaven. La parole de Dieu, la Bible, c'est pour tous qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu. Pour pas tromper toi-même. Non! Non! Don't deceive yourself. You are only identified to church. You have never been identified to Jesus Christ. You are only identified to your pastor, your GO, to your bishop, to your archbishop, to your prophet, to your apostle. But you have never been identified by Christ. Jesus Christ don't know you. That's what people doesn't know. I go to church. You see them, everybody running around. I go to church. Which church? Jesus Christ called it synagogue of Satan. Tous les morts, ils courent, ils vont divider this. Ah! Un grand erreur. Tu es seulement identifié par ton église, par ton pasteur, par ta bishop, par ton pape, par ton reverend, apôtre, prophète, et tout, par ton général, sous-général, par ton capitaine, par ton major général, sous-préfet, apôtre, bishop, et docteur, et n'importe quoi. Qui est seulement identifié avec tous ces gens? Tu n'es pas l'identité de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le jour que tu reçois l'identité de Jésus de Nazareth, la première chose qu'il va te faire comprendre, c'est tu vas recevoir la révélation de celui qui est. Alléluia. The day you will identify yourself to Jesus Christ, the first thing Jesus Christ will do to you is to open your eyes so that you will know who he is. Everyone that followed him, he opened their eyes to know who he is. And that's where you will understand how to follow him and to worship him. You will understand the meaning of this Bible. C'est ça qui va te faire de comprendre celui qui est suicidé et qu'est-ce qui est dans la Bible. Alléluia. C'est cette chose que tu vas comprendre qu'il y a la parole dans la Bible là qui ne aide pas pour la salut. That day is the day you understand. When the Lord will open your eyes to know this Bible, you will know that there is some ways, some things in this Bible that they are not going to help for salvation. They will not help you for salvation. Then you will understand also, there is also those ones that are written in the Bible that they are made for salvation. C'est le jour-là aussi que tu vas comprendre qu'il y a aussi la parole dans la Bible là aussi, que le Seigneur qui met là, met là-bas, et c'est caché. Et ils sont pour la salut. Tout ce qui connaît, qui concerne la salut, c'est caché. Dans la Bible là, que nous tous sommes là dans notre main. Tout ce qui concerne la salut, c'est caché. Tu dois tout simplement connaître ça par révélation. Et c'est lui-même qui va ouvrir ton yeux, qui va te donner la connaissance. C'est pour ça qu'il a dit dans le livre de Jérémie chapitre 3 verse 15. Let us see. Let me check it. Jeremiah, the book of Jeremiah 14 and 15. Say something there. Jérémie 3, versets 14 et 15. Revenez, enfants rebelles. Il a dit quoi? Enfants rebelles. Ils sont plus tels.
Il a parlé d'Israël. Israël, c'est chrétien. He's talking to the Christians. Return back, you rebellious Christian. Rebellious church. Rebellious Christian. The Lord is saying in Jeremiah 3, verse 14 and 15, first word in the desert, come back unto me, you rebellious Christians. Rebellious Christians. Christian. To the teach, you are in the church, you have all the titles, but the Lord says you are rebellious. Continue. He said, what he continued? What did he say again? Je suis votre maître. I am your master. I am your husband. Amen. Il dit, pour moi, il dit, je suis votre mari. Tu es dans le mariage. Tu es dans le mariage. Et tu, dans ton mariage, ton mari, il t'a donné son ordonnance. Son nom, non? Regarde, à partir de maintenant, je suis ton mari. Si tu veux que ce mariage va bien, tout homme a 16 amis là. Hein? Ne voulez pas les voir dans ma maison. Et toi-même, c'est ça qui passe. Christian aujourd'hui. This is what is happening in the life of the Christians today. He said, return to me, knowing that I am your husband. I have married you. Christian today, you married to somebody. You are, she said that you are married. It's because today they are not even going to marry. No marriage. C'est parce que aujourd'hui même, il n'y a pas de mariage. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'obéissance. Alléluia. Les gars, ils sont partout. Ils sont divorcés, les mariés divorcés. Il n'y a pas. That's why you see everywhere. You see them. They are all divorced, married. Where is your husband? My husband is in Kapashan. Me, I am in Jamaica. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu ne les concerne pas. Et les pasteurs sont là-bas, ils sont intéressés de les dîmes et offrandes. Les pasteurs sont intéressés de leur tithe and offering. No message. If you are married, when you marry, there is a doctrine, there is a ordinance. In that man will tell you that, see, oh, I am married to my house. There is some people that you are going out with when you are still bachelor. When you are not married, when you are still spirit stars. When you are single, there is life you live, there is things you do. If later you marry, your husband will tell you, I don't want those people in my house. Even though it might get to the point that he can even tell you, there is some members of your family, he will tell you that I don't want to see them in my house. There is some dressing when you are still single, that dressing you are used to look for men. When you will get married now, your husband will tell you, I don't like this type of dressing. Then you open mouth and tell him that that will not work in this house. Then I will see how that marriage will work out. That is Christianity. That is Jesus speaking there. You said you are married to Jesus. Jesus is giving you love. And you are saying your pastor. Your pastor is telling you that it doesn't matter. And you are behaving and living in hell. And you say you are going to heaven. I will see how you go to that heaven. Alleluia. Amen. Quelqu'un qui t'a marié, Jésus Christ, ça c'est la parole de Dieu. Jésus Christ t'a marié. Et il t'a dit, voilà, la condition de ma maison. Ma maison doit être comme ça, L'habillement que tu as pris, le temps que tu as cherché le mari là, tu ne dois pas habiller ça encore maintenant, parce que maintenant tu as déjà trouvé le mari. Ah. Tous tes faux amis là, que tu as fait faire les bêtises, même ton copain qui couche avec toi avant que tu te connais là, à partir de maintenant, il ne devrait pas voir, il ne devrait pas même votre numéro. Coupe, allez, tout ça. Et tu as tout dit ton mari, mais ça ne se fait pas, hein? Ça ne se fait pas, hein? Ça ne se fait pas. Je veux voir comment ce mariage il va continuer. C'est ça qu'elle est passée dans l'affaire des chrétiens. Et ton pasteur qui a dit que ça ne fait rien. On va voir cette chose. Si ton pasteur, dans l'Apocalypse vert, il dit qu'il va assis sous le trône blanche. Pour faire quoi? Pour juger. Je veux voir si c'est ton pasteur ou c'est ton église qui va assis sur cette trône à te donner des fautes pour te favoriser. Pour aller. Après, tu es. C'est un coup de rien qu'on est dans mon église. C'est un prière qui est dans mon église. Il a vu celui qui paye les loyers, qui paye ça. D'après de ça, rentrer. Et toi, tu es trop méchant contre moi. Tu es trop méchant. Tu ne me payes pas le temps que nous sommes là-bas. Rentre à l'enfer. On va voir si c'est comme ça qu'elle va passer le jour-là. Alléluia. Les gens ne connaissent rien.
Alléluia. C'est moi ton mec, c'est moi qui t'a marié. Tu es déjà écarté et détruit toute moi, loi. Retenez à moi. I am your husband, I am the one that married you. You have destroyed, you have walked in any way, anyhow you would like. Fornication, immorality are found in you. But now I am calling you, return back to my commandment. Return back. Return back to my law. Return back to the old path. Aïe. Retenez dans la CMA. Comme ça, notre relation, notre amour va continuer. Et dans Jérémie aussi 6, il a dit quoi? Il dit là-bas, il dit son dit, on ne retourne pas. On aime le monde là, le monde est très sucré. Tu n'as pas voir le niveau jupe qui vient de sortir là. Hein, tu ne vois pas le nouveau pantalon là. Quand tu portes ça, tu viens dans l'église et même le pasteur même va commencer de chier. C'est ça. Aïe. Et Dieu nous aide dans Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Continue. Je vous prendrai. Et dit que je vais te reprendre si tu peux retourner. He said, I will take you back if you can come back. Get away from that world. Get away from that church. We are not doing the issue of church again now. What we are doing now is Jesus Christ. He's recovering his children all over the world. And he's taking them home one by one. They are going, you know. The church are going. On the super Lord affair, the Église maintenant. Nous sommes dans l'affaire. Jésus a dit de faire quoi? Récupérer tous ses enfants partout de le monde. Et ils sont en train de partir un par un. La défense est en train de partir un par un. Ils sont en train de rentrer. On ne suis pas dans l'affaire de l'église. Aïe. Qu'est-ce que l'église même nous a aidé? L'église, il y a un peu d'église qui parle à vérité. L'église qu'on a vu aujourd'hui là, ils sont en train de détruire les enfants de Dieu. Allez, ils sont même tous les enfants de Dieu dans le cache. Ils sont fermés les enfants de Dieu. On ne peut pas les laisser pour aller chercher la vérité. What they are calling church. What is the church is even doing to you today? The church have sent many of our loved ones to hell. The church will make them to become religious. Very, very religious. They are worshiping pastors and their jesus. L'église, qu'est-ce que l'église nous a fait? Ils ont fait revenir religieux, très très religieux, sans Jésus-Christ. Tous les monde savent les pasteurs, sous les pasteurs, sous les églises, former les doctrines, dogmas, doctrines formées par les fondateurs. Et dit qu'ils savent Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? Qu'ils savent le savent. Quel Jésus-Christ? Les gens ont été allés à l'enfer. Chrétiens ont été allés à l'enfer. Très sincère. C'est ça qui me fait mal des fois. Quand je pleurais, quand je vois toutes ces choses. Quand j'écoutais tous ces témoignages. Donne les témoignages. Les pasteurs dans l'église n'écoutent pas. N'attends pas. Dimon, ils sont dans l'église. Tu les appelles pasteur. Je ne sais pas que c'est un démon. Je suis allé envoyer le message pour nous sauver. Quelqu'un qui est là-bas, poussé comme toi, il te dit n'écoute pas. Et toi aussi, tu as revenu aussi comme un robot. Il te contrôle avec le commande. Télécommande. Et tu dis que tu parles la langue. Tu dis que tu as l'enchant. Mon pasteur a l'enchant. Dimon, qui est là-bas. Les gens ne connaissent pas que. Le temps que nous sommes là, et le souci même a dit. La fin de temps, Satan. Le ministère de Satan, il va faire le miracle plus que le ministère de Jésus-Christ. C'est ça que les gens ne connaissent pas. C'est un ministère. Tu as tenu les poches sous chercher le miracle partout. That's what people don't know. The time that we are, Jesus has said it. The minister of Satan will do miracles more than the ministers of Jesus Christ. It's in the Bible. He said they will even call fire. Revelation 13, he said they will call fire down.
Il a dit, Ephésiens 13, il dit quoi? Il va même appeler le feu. Le feu va descendre. Amen. Il va commander le feu. Il va descendre. On a déjà vu beaucoup même. On a déjà vu les autres même. Qui commandent, il va commencer à marcher sur le vent. C'est à Kenya, non? Il est là-bas au Kenya. Il s'est dit, il a su de working on the air. Il y a des choses qui commandent la pluie. Alléluia. We have seen them. There's other ones that are they command to rain the fall. That is the fire. C'est parmi le feu que Dieu a dit à lui. Alléluia. Il y a un pécheur. Marquez la parole de Dieu. Marquez la vérité. Marquez. Parce que quoi? Je vous dis, la parole de la salive, il est dans la Bible. Ce n'est pas toute la parole qui est dans la Bible qui est pour la salut. C'est pour ça qu'apôtre Paul nous dit, il a dit Timothée. Il a dit Timothée. Hein? Il dit, étude bien. Il dit, depuis l'enfant que tu as déjà conçu, tu dois connaître la vérité. Continue, dis donc, il dit étude. Parce qu'il a fait comprendre qu'il y a la parole, il y a la parole qui est dans la Bible qui n'est pas pour la salut. Les gens ne connaissent pas ça. C'est un peu révélation. Alléluia. Diara, on va lire. Philippe, ok, finis ça d'abord. Je prendrai un d'une ville. Il dit, il va nous prendre. C'est une relation qui est là, je vous ai expliqué ça ici. Un d'une ville. Deux d'une famille. Dans la famille, il vient là-bas, dans une vie. Les gens ne savent pas qu'il y a des. Comme nous sommes là, il y a des vies. Quelqu'un qui va sauver là-bas, sauver seulement un seul personne. C'est incroyable. Mais il y a plein de choses, plein d'églises là-bas. Plein d'églises. Mais il n'y a qu'une seule personne qui va aller aussi dans cette vie. That's what people doesn't know. Look at the revelation here. People doesn't know about it. He said in verse 15, he said, I will come and take you, take one from the city. People don't know that. In this world, there is a city that you will go. Only one person is one person that is only one person that will go to heaven in that city. But go there, there's too much church there. But only one person will enter the kingdom of God. It is a prophecy, it's a revelation. C'est une prophétie, c'est une révélation. Les gens sont trompés. Dieu a rencontré quelqu'un. Il a dit de parler, il a dit de me dire, il a dit de discuter, mais quand il est. Il dit, il est pasteur aussi. C'est un pasteur aussi, il sait à tout. Il est pasteur ici, il est hier. Il a dit de me dire que toute l'église, c'est l'église de suivre. Il dit, quoi? Mais quand Dieu a commencé à expliquer, c'est lui-même qui a commencé de changer. De la vérité maintenant. Je lui laisse de parler, je lui donne la question. Quand je lui donne, il me répond. Amen. C'est les gens qui ont combattu contre moi, ils m'ont glorifié, dit ok, par la grâce de Dieu, Dieu t'a glorifié. Il a dit de réguler tout, de... quand même Dieu l'a fait d'amener maintenant, il vient écouter. Et là, il m'a invité même le dimanche passé, je l'ai pour, il dit, toi, quand tu invites pour le programme, et tout, tu ne viens pas. Je lui dis, comment je veux venir, est-ce que ça que vous prêchez, c'est ça que je prêche? Ah, il dit, pourquoi il dit des choses comme ça? Il dit, je prêche quoi? C'est pas la Bible. Ah, il dit, oui. Tout le monde, quand vous lui demandez, il dit, il prêche la Bible. Mais quand on rentre dedans, quand on ouvre maintenant, tu vas voir que ta message est pour moi, c'est pas la même chose. Il dit, comment? Il va aller écouter mon message à YouTube. Alléluia. Quand tu écoutes ça, tu vas savoir. Donc, c'est pour cela que tu ne peux pas m'inviter n'importe comment. Si tu ne connais pas, ça qui est prêche, parce que tu prêches la vérité, la parole de Dieu qui n'est pas corruptible. Mais vous, ça qui corrompt la parole de Dieu. Vous ne dites pas la vérité. Il dit comment? Il dit quelque chose. Tu as, regarde la parole que tu as dit maintenant. Que toute l'église dans le monde, c'est l'église de Jésus-Christ. Et moi, je te dis que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Je lui dis, tu es le prouve. Tu es là. Où c'est écrit dans la Bible? Montre-moi ça. Lis ça, après je vais lire aussi, je vais t'expliquer ça qu'il dit là-bas. Où si tu veux qu'il te donne le proof pour moi, il te donne. Lis n'est pas le proof pour lui. Mais maintenant je lui dis, ok, on va prendre la parole de Jésus-Christ lui d'abord. Apocalypse 2. Apocalypse 3. Deux fois, Jésus-Christ il a dit, ils sont quoi? Synagogue. Il dit, vous pensez que juif qu'il a. L'âme qu'il a dit là-bas, c'est chrétien.
ne pensez pas qu'ils sont chrétiens. Ils sont synagogue Satan. Synagogue, c'est quoi? Alléluia. Donc, vous savez, les gens qui arrivent de prendre la parole de Jésus, si vous mettez ça en cachette et même le pied des gens à contrôler de dire les gens de mensonges. Alléluia. Que Dieu est le nom de Jésus. Dis le Bible de Dieu la vérité. Je lui dis la deuxième chose encore. Vous, je lui dis vous, vous êtes en train de chercher le même. Moi, j'ai en train de chercher les âmes. De ce qu'il a dit, je suis venu chercher les hommes qui a perdu dans la maison de mon père. Ce n'est pas le même. C'est pour cela que quand il voit le prostitue, il est même dans la confusion. Et il vient vers les vrais âmes qui partent de Dieu. Il est dit la vérité. Il lui dit, tu as vu la différence. C'est là-bas qu'il a choqué maintenant. Ça c'est un point. Hein? Ça c'est un point. Ah, il dit vraiment, c'est là que l'église a choué aujourd'hui. Ah, le même et les hommes. Je ne pas parler. Je lui dis, si tu cherches les hommes, les gens vont te persécuter. Satan, il est contre tout qui cherche les hommes. Mais tout ce qui cherche le même, Satan ne va amener plein de même. Alléluia. Et je lui dis, voilà aussi la différence. Toi qui cherches le même, le jour que tu prêches le message qui n'est pas bien, il va toujours aller faire la réunion et dire qu'on ne vient pas le dimanche prêcher. Tu vas prendre le téléphone et commenter et demander pardon, qu'est-ce que Dieu fait? On va lui dire que tu as prêché contre la fornication. Donc on ne vient pas chercher le message encore. Tu vas dire ok, comment vous voulez que Dieu prêche ça? On va te dire ok, tu ne veux pas parler de ça encore. Parce que tu cherches le même. Mais le jour que tu cherches les hommes, les hommes qui ont perdu dans le royaume de Dieu, quand tu prêches contre les péchés, les hommes là, ils vont être contents. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est la nourriture pour tous qui sont dans l'esprit. C'est la nourriture. Ils ne sont pas dans la chair. Mais les gens qui sont dans la chair, c'est pour ça qu'il a dit, apôtre Paul, il a dit dans le livre de 1 Corinthiens 2, il dit la parole qu'on parle, c'est le mystère du royaume de Dieu. Il dit, l'homme qui est dans la chair ne peut pas comprendre ce qu'on a dit de barrières. Je lui dis, le même que vous avez cherché, ils sont des gens qui sont dans la chair. Mais moi, j'ai envie de chercher les âmes, c'est des gens qui sont spirituels, qui vont comprendre. Quand il parle, c'est ça que je vais parler. Il va secouer les têtes et il va prendre l'eau boire. Et ça va se dire bien mûri aujourd'hui. Alléluia. Jésus, tu as vu la différence entre nous deux. Il dit ça c'est correct. Il dit de compris maintenant. Et tous les grands églises là. Je dis, tout cette église est remplie parce qu'il n'y a pas d'affûté. Je dis, le jour c'est. Parmi les tous les églises, mais parmi un jour de lancer la parole de Dieu, viens là-bas prêcher. Tu vas voir comment tous les gens vont prendre les bagages et quitter là-bas. Alléluia. Maintenant, il m'a dit, mais il y a quelque chose qui est là, c'est aux années aussi. Beaucoup de soutenants de la parole, ils sont bien commencés. Il dit, oui, ils sont bien commencés. La parole de Dieu aussi, là, il dit, le premier sera le dernier. Alléluia. Il dit aussi, à part de quoi, il a dit, fais attention, toi qui penses que tu es correct, fais attention que. Tu ne sais pas, tombe. Plus bas, il n'est pas fait attention parce qu'ils sont en train de regarder la richesse, la prospérité, tout ça qu'ils sont en train de gagner dans la poste de Jésus-Christ. Donc, il n'est pas fait attention pour savoir qu'ils sont déjà tombés. Alléluia. Et donc, aide-le Jésus-Christ. This is the word, that's the word of God. That's the pure, raw word of God. Undoubted word of God. As long as you are looking for a member, you can never preach the word that will save soul. As long as you are looking for how your church will be the biggest church, how you will get members, you will continue to fight the other church that preaches the truth. Alléluia. Attends que tu as dit de chercher le membre. Tu vas chercher comment tu vas voir le membre, que ton église grandit, que tu vois l'argent, que tu vois. Et je vais dire quelque chose aussi. Tout ce qui cherche le membre, c'est tout ce qui sont dans l'église de Jésus pour business. Parce que tu cherches le membre pour faire quoi? C'est pour avoir le deal. Voir l'argent, voir la richesse, voir tout. Alléluia. Quand l'église finit, tu vas appeler le trésorier. On a vu combien aujourd'hui.
Il n'est pas intéressé de demander que, est-ce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et Jésus. Non. Il est dit que les gens qui ne sont pas intéressés, c'est on a vu combien aujourd'hui. On a vu 20 000. C'est correct, hein. Tu devais voir que l'église est remplie. Tu devais, dimanche prochain, tu devais charger, tu devais se mettre à comme 10 dans le ministère. Allez. Parce que tu cherches le même. Si tu cherches les hommes, tu n'es pas intéressé, même combien tu viens là-bas, tu sais que Dieu, ça qui va t'intéresser, c'est que le Seigneur a livré ta foi. Fais ton offre. On n'a pas d'argent pour payer le loyer au Seigneur Jésus-Christ. Envoyez le poisson pour nous donner l'argent. Tu vas aller déposer. Libre, il va venir faire ça. Aïe. Il va venir faire ça. Miraculos, il fait ça. Parce que c'est son œuvre. Que Dieu l'a donné à Jésus-Christ. Quand il vient parler de ces choses-là, je vous jure à vous. Je ne veux pas dire, viens, c'est bon. Tu te fais le directeur, il ne va pas parler. Je dis, on va parler. Je ne veux pas te laisser. Et non, de Dieu, oui, je ne veux pas me laisser, mais tu as vu la différence entre toi et moi. Tu as vu la différence. Ah, il a dit, c'est vrai. Il dit, j'ai compris maintenant. Donc, il dit, va réagir en tête de Dieu. On a dit dans l'affaire des patrons et tout. Quand il est parlé, il est même envoyé d'aller regarder Google. Il a dit, va aller vérifier tout. Quand il a discuté, même en France, c'est tout là, tu es là, tu as fait discuter. Dans l'année 1700, c'était dans la loi de Paris, que les femmes ne doivent pas porter le pantalon. C'est après la guerre, deuxième guerre des modernes, que l'Europe, ils ont perdu beaucoup de hommes pour la guerre moderne. Que maintenant, il n'y a pas la force, il n'y a pas beaucoup de hommes pour faire la force de sécurité. Ils sont rentrés dans le mouvement de la constitution aérienne. Son maire, ça qu'on appelle quelque chose, mouvement de femmes. Mouvement de femmes, quelque chose de mouvement de femmes. La loi de. La loi des femmes et tout. Pour laisser les femmes pour rentrer dans la force de l'ordre aérien. Donc, quand ils ont fait ça, les femmes maintenant sont venues aussi, ils ont dit que si vous voulez que nous, on participe dans la force de la sécurité. Donc, on ne devait pas aller, vous savez que les militaires, ils sont habitués à aller à la forêt, dormir dans la forêt, monter sur les arbres, faire le terrain. Est-ce qu'on va aller faire ça avec les jeeps? Les parlements, ils sont rentrés encore dans la réunion, ils disent que c'est vrai. Oui. Donc, on va les livrer pour mettre le pantalon. C'est comme ça que le pantalon est devenu le problème. Et aussi, il a dit comment aussi, tu vas dans le cœur du gars aussi, on va te montrer comment le patron aussi a rentré dans l'église. Tu vas faire ça aussi là-bas. Quand vous savez que quelque chose, c'est pour ça que chez nous, on a dit il y a la loi que les parents, les anciens ont dit de parler que. Petit caca, c'est caca aussi. Tu n'es pas un petit caca, tu dis ça là, c'est petit. Essaye de mettre ça dans ta bouche. Tu vas savoir si c'est caca ou non. Alléluia. Donc, si tu as libéré, immédiatement, quand ils sont faits les petits, ils sont libérés, opportunité pour les femmes, même la loi. Parce que la femme, maintenant qui est militaire, maintenant aussi, quand il veut sortir aussi, quand il veut aller dans le tenue, quand il veut aussi sortir aussi, il met aussi. Pantalon. Quand il y a le contrôle, il invente son identité qui est sous militaire. Ok. Quand ça a commencé, les autres femmes aussi, on a vu maintenant les femmes qui. Le pantalon est bon. Ils ont commencé de mettre ça aussi. Combien de femmes que tu vas mettre en prison? Tu vas mettre aussi mettre ton maman en prison, tout le monde. C'est comme ça que les gens commencent à dire. Après, maintenant, ça arrive à l'église. Les femmes des pasteurs, les femmes des soudains généraux aussi disent, ah non, si on va mettre le pantalon. Ah, le soudain dit que comment tu vas faire ça, tu ne peux pas amener ça à l'église. Après que c'est lié, après qu'il y ait son mari qui a ouvert l'église, peut-être celui qui a même le doigt, parce que le temps que ils sont passés, c'est le temps aussi qu'ils sont passés la loi des femmes. Alléluia. C'est ça que le temps là qu'ils ont voté ça. Tout était passé. Donc, quand les femmes maintenant sont dit que on a déjà l'autorité. Moi, je vais dire mon mari, si je ne vais pas me laisser porter le pantalon, je vais aller à l'église. Moi, je vais, c'est déjà dans la loi. Je vais aller divorcer. Donc, on va me donner toute l'église. On va me donner pour moi. On va me mettre dehors. Donc,
Quand le pasteur, le bishop de Tours, de Saint-Anne, s'est dit que, hey, on a le problème, oh. Ils ont aussi fait la réunion, que, on va rien laisser. Parce que les autres ont commencé à voir le feu dans les maisons. Il fait merde, patron, il fait merde, patron, il fait merde. Tu vas bien, quoi? Eh, ok. Pour éviter le problème, ils ont utilisé la loi de la Bible aussi, que, divorce, Dieu dit, n'est même pas un divorce. Faire toutes choses pour satisfaire ta femme. Ils ont aussi fait la réunion, ils ont dit que, ok, on va les laisser. C'est comme ça aussi, la patronne est rentrée dans l'église. Je lui ai demandé maintenant que, est-ce que c'est Dieu qui a fait tout ça? Il a dit quelque chose. Il dit, mais comme plusieurs églises acceptent le pantalon, mais c'est bien, Dieu dit, ah, c'est là qu'on a échoué. Il dit, tu as vu que c'est là qu'on a échoué. Dieu que tu tout savent là, ou Dieu que moi je savent là, c'est pas Dieu de fortitude. Depuis la Bible, regarde son mouvement contre la fortitude. Jésus-Christ, il a eu la fortitude, il a mis dans la confession. On va lire, on va voir le message de jeudi. Et maintenant, et il a retourné vers le MP. Il a dit la vérité. Et aussi, il a dit quelque chose aussi dans la Bible. Il dit, il y a un chemin dans le Matthieu 13. C'est 13 ou 7. 7. Et il y a un chemin qui est très très grand, boulevard. Beaucoup de chrétiens qui sont dans cet chemin. Mais il dit, il y a un autre chemin qui est trop épais, rigoros. Et il y a un P. Qu'est-ce que ça signifie dans ta vie? Nom de Dieu. Ça signifie que. Après aussi, il a dit aussi dans le Luc, quand il a parlé que je vais à un endroit pour vous arranger un endroit, que je veux venir vous chercher après. Ils ont demandé que, est-ce que c'est tout le monde qui sera sauvé? Et ils avaient dit. Avec sa parole, ses enfants, son disciple a compris qu'il y a quelqu'un qui va dire, stop, il y a un pays qui va sauver. Il n'a pas répondu à cette parole. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle réponse il y a? Il dit, luttez-vous. Luttez-vous. Luttez-toi pour rentrer dans cet chemin qui est très rigoureux. Parce que c'est un chemin. N'accepte pas n'importe comment. Il n'y a pas de bagage. Tu dois rentrer comme Dieu t'a créé. N'importe quoi que tu as ajouté dans ta vie n'ira pas. Tu dois être saint. C'est ça que tu as lutté. Lutter contre quoi? Lutter contre le monde. Lutter contre l'habillement. Lutter contre le pantalon. Toi, pasteur, tu as demandé le pardon. Va prêcher la vérité dans ton église. Dis-le de lutter contre l'esprit des pantalons. L'esprit de bijoux. L'esprit de rouge à lèvres, l'esprit de maquillage, l'esprit de tout. Il m'a dit, ah, il pense qu'avant, il pense que quand les gens habillaient, modré, c'est ça, non? Modèle, et c'est bien. Qu'est-ce qui est modèle? Hein? Qu'est-ce qui est modèle? Aïe, ah, que donne elle, que donne elle, de Jésus-Christ. Continue. Sion. Je vous donnerai. Il dit, je vais vous ramener maintenant dans mon église. Sion, c'est Dieu qui a son église. Hein? God has his own church. Every church is not church of Christ. It said there, then I will bring you verse 15 of Jeremiah 3. He said now, now 15, he said, and I will give you, in 14, he still said, and I will take you one of a city and two of a family, and I will bring you to Zion. Zion is the dwelling place of the Most High God. He will bring you to where? In the living church of God. Why will he bring you there? Pourquoi il faut t'amener au Sion? Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. If that is, he will give you a pastor of his own choice, not any pastor, not anyone. God calling me. God, Satan called many, but that those who want God to call. Devait t'amener où mon vrai berger, mon vrai pasteur, il est.
C'est pas tout qui dit que Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, qui sont les enfants de Dieu. Satan, il a appelé plusieurs plus que Dieu lui-même. L'homme de Dieu, c'est pas n'importe quoi que Dieu appelle. The work of God is not any half person God calls for his work. It's not any half person. He knows those who call. And he sends his own children to go there. And when they go there, they will be fed. He still has a point to say there. Go on. Et ils vous mettront avec intelligence. Uh-huh. Et avec sagesse. Uh-huh. Il va vous donner nourri. Nourri. Alléluia. Il va vous nourrir. Dans le livre des Actes 20, 28, il a dit quoi là-bas aussi? Il a dit quoi là-bas? Acts 20, 28, il said, those that the Holy Ghost have brought unto you, God is the one that brings people. Acts 2 aussi, 47, il a dit quoi là-bas? Il se dit même qu'il y a Amen. Amen. Tes enfants à son berger, son pasteur pour les nourrir. Alléluia. C'est pas n'importe comment. C'est pas toi qui as dit c'était le même. It is not you that are looking for member. God is one that brings the people. He brings his own true children. There can be two or three. That's why he said at the beginning, he said, where two or three gather, you can be two or three, it does not matter. Two or three child of God, you cannot compare them with you that are millions, but are all going to hell. C'est pour ça qu'il a dit, où t'es au toit il est? C'est là que Jésus. Il sait ça, il va aller amener, ils sont deux, ils sont trois, ça lui suffit. Vous qui êtes des milliards, qui n'est pas de Suisse, vous tous pas t'amener à l'enfer. Mais le deux ou trois personnes vont rentrer au royaume de Dieu. Ça lui plaît. Ça, c'est comme ça que Dieu fait son mathématisme. La mathématisme de Dieu, c'est différent dans la mathématisme du monde. Je dis le pasteur là comme ça que. Tu dis, regarde ce qu'il y a dans ta bouche. C'est ça que tu dis, c'est ça que plusieurs chrétiens ont été sur le pantalon. C'est pour ça que toi aussi tu as dit sur ça. Est-ce que tu as déjà demandé au Seigneur, est-ce que tu es content avec ça? Oh, tu sur le multitude. Il dit, tu ne fais pas ce qui est arrivé à Moïse. Exode 12. Quand tu es là, il est parti avec les Israélites. La Bible dit. Les Israélites, les vrais Israélites sont 660. Mais les multitudes qui les suivent sont millions plus. Les vrais enfants de Dieu sont petits nombres. Mais multitudes plus. Mais Moïse n'est pas jamais sous les. C'est le multitude là qui a contaminé les enfants de Dieu, vraiment. Et c'est la même chose que nous sommes aujourd'hui. La même chose, la multitude de chrétiens. Qui a dit de contaminer les vrais enfants de Dieu? C'est pour ça que tu dois faire attention. Qui que tu suis? Tu suis le multitude ou tu suis Jésus-Christ? Le temps que Jésus a venu dans son ministère, il sait combien de personnes il a gagné. Il a gagné combien de âmes? Mais il y a multitude qui le suit. Mais il y a des anges. Alléluia. Tu dis multitude. Là-bas, il a maintenant resté calme comme l'eau glacée. Et là. Ça c'est vraiment. Il dit c'est pour ça. Tu as dit que tu ne veux pas vraiment. Il dit parce que c'est vous qui me chassez. Vous ne m'aimez pas. Vous m'attaquez. Vous ne persécutez. Donc je dois mettre moi-même loin. Il va rester loin. Alléluia. Mais reçois la vérité là. Va aller changer ton église. On va t'attaquer. On va te persécuter. Il dit c'est vrai. Il dit c'est ça. Oui. C'est dans la Bible. Respecte la Bible. Ne respecte pas quelqu'un. Tu vas seulement respecter les gens qui te suivent. Ils suivent la vérité là. That's what I told you, that man God. Go and respect the word of God, don't respect anybody. Only respect those ones who follow the truth with you. But those ones who refuse the truth, who persecute you, let them go. Let them go. Bye bye. Tell them bye bye. I have found the truth. My eyes of understanding have opened back, they have opened at last. Mon yeux de connaissance est déjà ouvré à la fin. Donc, partez-vous. Je lui dis, tu as pris la sécurité pour les morts, tu ne vois pas de Suisse aussi. Jean 6, qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Plusieurs. Mais quand il a pris la sécurité, la parole de Dieu, ils ont dit, ah, ton évangile est trop dur. Parce que quoi, il a été parlé de la fin des rois de Dieu.
Je dis, le jour que tu commences de prêcher, prêcher la sainteté, prêcher ça qui va nous faire de rentrer dans le royaume de Dieu, tous les faux gens, même que vous avez rassemblés là, il va prendre leur bagage, disparaître. Il va même commencer à appeler lui-même à téléphone. Qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Elle va à l'église. Je suis ce Dieu de l'amour. Dieu, c'est le Dieu de l'amour. Il m'a dit, oui, c'est ça que tu as envie de dire. Et c'est le Dieu de l'amour. Il n'est pas très méchant comme ça. Tu vas voir la méchanceté de Dieu. Essayez de mourir. Tu vas savoir que c'est pas Dieu de l'amour. Tu vas savoir que son amour, c'est pour ses enfants. Tout le monde a été profité maintenant parce que les enfants de Dieu sont encore dans le monde là. Everybody deserves it's not of love, it's love of God, it's another thing, everybody doesn't deserve. Everybody is enjoying the love now because his own children, his own elect are still on this earth. That's why it's his fine peace. But very soon, the window is going to cut off. You will know that you are wasting your time. All this while, say that you are doing church. Amen. May God deliver us in the name of Jesus Christ. He don't help. But that means in it, even there and for you. He said, he will take them, he send them, 3:15. And I will give you pastors according to my own heart. These are people who are eating from the heart of God. Ça, c'est le pasteur, le berger qui mange dans le cœur de Dieu. Qui mange, qui nourrit, qui se nourrit à travers de son cœur. Il dit, je vais vous donner cette berger. Et qu'est-ce qu'il va faire dans notre vie? Il dit, il va faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous laisser dire, which shall feed you with knowledge. Parce que la parole de Dieu, c'est la connaissance. Il va vous nourrir. C'est pas pour vous dire, j'ai écouté un pasteur faux, prophète, qui a dit, le temps que nous sommes là, Dieu a été élevé les jeunes pour son ministère. Alléluia. Nous sommes dans le temps de clôture. Tout ça qu'il a élevé, tout ça, tout. Même toi qui prêches, je l'ai regardé. Toi-même qui prêches, tu es où? Qu'est-ce que tu as dit de faire dans la vie des enfants de Dieu? Élevé quoi? Il n'est pas encore fini de ça qu'il a élevé. C'est toi. Regarde. I watch a man go and say, this time that you add it, God is busy bringing out, organizing, getting the youth for his mission. I just look at him, I look at you. The one he, if he's the one that call you, what effects are you doing in the life of the youth? They're only teaching them how to be seductive and sexual immorality. That's what you're teaching them. And the second is lifting up. So then you tell them to bring to the top, let them repent and bring them back to the Bible truth. You are telling them that God is busy. Can you hear this? Oh, Yeshua! Yeshua! As he was saying, you see the Moshe, I receive it. You receive what? You are receiving satanic calling. This one will reçoit la paix de Satan. It doesn't end in Jesus Christ. Et dans le dernier moment, il te suit. Quand il arrive dans l'église, il y a des gens qui portent le divadère, les femmes qui portent le divadère. Quand il arrive dans la mer, tout son sein, tout se voit ici. Dans le temps de crise. Go and look there. You see the women wearing sleeveless. As they lift their hand up, all their breasts is still seen. And he said, God is lifting, bringing out this time that they are. We are in the time that we need to preach the truth, the fire of Elijah. That you go and fish out the children of God and prepare them for rapture. You don't preach it. What you are preaching is God is lifting, is bringing up a new generation. Which generation again? This don't know this generation is a cursed generation. You don't see it in the Bible. It is you have the level and many and call it the new generation. Get the new generation. Do you know about people like people? Do you just remember like this generation Modi? Generation Modi. Nous sommes une génération, la dernière génération, que la Bible qui est dans l'Apocalypse, il dit génération, l'église de la Odessie. Maudit. Qui n'est même pas la vérité. Qui déteste la vérité. Qui crucifie Jésus-Christ tous les jours. Toutes ces femmes ont crucifié Jésus-Christ avec tout notre pasteur et tout. Qui ne veut pas la vérité. Qui cherche la richesse et l'argent, la popularité. Ils cherchent l'église populaire, l'église méga church.
Que Dieu nous délivre dans notre Jésus-Christ. Mais Dieu m'a sorti dans notre toutes ces choses. Dieu dit dans la colère. Si un seul péché, il peut nous condamner. Pourquoi tu n'as pas pris les choses sur la vie des enfants de Dieu? Si un seul, la hache de Dieu, là, il a dit, la femme de Dieu, là, il dit, tu ne sais pas que. Il a dit, toi-même, tu as prêché ce message. Il dit, hein, il dit où? Il dit, c'est toi qui as prêché. Il a dit, le titre de ce message, tu as prêché que. Les gens, peut-être, il dit, il y a quelqu'un qui est. Hein, d'autant que Dieu l'a pris pour aller au ciel. Il a montré la préparation de la Sainte-Sainte et de ce qu'il a fait avec nous tous, qui a sauvé et marché dans la sainteté. Il dit, quand il est arrivé là-bas, il y a les chiens. Nous tous, on a dit, écoutez, clair de témoignage, c'est pas seulement elle qui dit ça. Il y a les chiens qui ont le nom. Il y a les chiens qui ont le nom et il a disparu. Mais elle a demandé de Jésus-Christ. Il a dit, sous un chien, c'est écrit 98% avant que la personne ait rentré dans le monde. Et maintenant, il a demandé de Suisse. Quand il a expliqué que tu as tout le chien là qui manque, c'est les gens là qui ont appelé à table pour compléter cette chaise. Et avec moi, il a battu. Il a montré tous les chaises que les gens qui sont disparus. Il a. Mais ça qui est 98 là, il a dit, personne ne rentre dans le CC, ça n'arrive pas 100%. 100%. Il dit, 98%, il y a seulement deux points. Il dit, oui. Tu n'as pas entendu que la Bible dit, tout péché, c'est quand tu as fait un cœur de Christ. Donc il dit, le ange de Dieu là, il a dit, tu as bien péché ça. Il dit, aujourd'hui, je vais annoncer, je vais réannoncer encore aujourd'hui que 99,99. Il dit, personne ne rentre pas. Il ne rentre pas. Hey! Femme de Dieu, il a dit, oui, c'est moi qui ai prêché ça. Il dit, tu as prêché, tu as oublié. Tu as prié, va retourner dans ton message. Hein? Sinon, ton message va te juger le jour-là. Alléluia. Il doit être le Jésus-Christ. Dis, tu dois mettre ma parole dans la vie, dans tout ton message. Dis-le la vérité, c'est pour ça qu'il t'a envoyé. Laisse les autres garder les compromis. Je t'ai déjà dit, les compromis, ne fais pas n'importe comment, sinon tu ne rentres pas dans mon royaume. Il dit, il a montré encore, oh, que Dieu l'a fait. Les générations, il a la maison à l'enfer. Les générations, il dit, c'est un étage. Immeuble. Tout sa génération, ascension, ils sont là-bas. Donc, il a dit aussi, parce que son papa, et son maman, ils sont bien chrétiens. Il y a aussi pour elle, il y a aussi. Il y a aussi pour elle à l'enfer. Mais la grâce de Dieu, à cause des parents qui sont chrétiens, le temps qu'il est dans le bêtis là, les parents ils sont dans la prière, avec des appels de Dieu, et Dieu les sauve. Et depuis ce jour qu'il a arrangé, et parce que lui aussi, Dieu le sait qu'il va venir les chercher, il va aller faire son bien. Il y a un bâtiment qui doit arranger pour lui là-bas. Mais s'il n'est pas retourné et aller dire la vérité, on lui a demandé, est-ce que tu voulais t'amener ici? Parce que tu as dit à la maison, à la terre, que votre ensemble est déjà arrangé là-bas. Quand il est rentré dans la il est pleuré. Bien, je vais vous dire quelque chose. Que Dieu aide dans le Jésus-Christ. Moi, j'écoute les choses et j'écoute le message, je plais. L'âme tombe sous mon Dieu tout le temps. Il y a quelque chose que je vais vous dire. Mais toi, même toi qui vas écouter le message là, even you that will hear this message, and you are in the church,
You say you are a Christian. God is busy giving people revelation, telling them, warning them, telling them they saw rapture, they did not go. God loves you. So people, you come and tell them, you have two sin, you have three sin. This will not make you go. And you see that person, we come and testify or say it, and you are sitting in the church, and you are laughing, and you are laughing. From January, this year is finishing. I'm saying, you're a Christian, you did not get any revelation to know your standard with God. God did not love you. You are not a member of that His kingdom. Tu es dans l'église, bien aimé, mets ça dans ta tête. Tu es dans l'église, tu dis que tu es né de niveau. Nous sommes dans la fin de l'année maintenant. Depuis janvier jusqu'à maintenant, tu n'as pas fait le rêve. Il n'y a pas rêve, il n'y a pas vision, il n'y a pas révélation. Pour te montrer que, enlèvement, tu n'as pas fait le rêve d'enlèvement, que tu n'es pas parti. Enlèvement, il est venu, on t'a laissé. Il n'y a pas rêve qui va te montrer qu'il y a des péchés. On a dit déjà ici, il vous a dit de combattre contre trois choses. Il y a rien dans ta vie, tout, ton pasteur, comme votre pasteur, il dit tout, ça va bien. Et l'église que tu es, qui te dit que tout, ça va bien. Il n'y a pas rêve concernant ta vie spirituelle. Il n'y a pas rêve concernant, même si peut-être tu n'es pas. Prie pas comme avant. Tu ne, il n'y a pas même la voix. Tu n'écoutes pas même la voix. Tu vis dans la catégorie qui dit tout va bien. C'est à la fin. C'est à la fin. Tu es dans autre chose dans l'église que tu fais le rêve. Il n'y a personne n'est pas là-bas pour te expliquer la vérité. Ce n'est pas le mensonge. Parce que tous ils sont dans l'église de faux. Qui ne dit pas, qui ne connaît pas. Parce qu'ils ne connaissent pas même leur vision, les rêves et tout. L'explication. L'église que tu es, tu fais le rêve. Parce que ton pasteur ne veut pas te. Il t'apprête et te dit que cette rêve lui parle de toi. Tu es chose, toi, chose que tu dois lutter contre. C'est ça que Dieu t'a dit de dire. Va, fais ça. Sinon, tu ne rentres pas. Alléluia. Tu n'es pas dans cette église. Tu es là et tu dis. Et j'ai le temps de parler dans la guerre. Il y a la manifestation de puissance de Dieu aujourd'hui. Dieu est ma veilleur. Il est ma veilleur. Il est ma veilleur. Dieu qui est ma veilleur là, et tu es dangereux. Que Dieu l'aide. C'est ça que les francophones et tous les gens, et je sais pas, même l'anglophone. Ah, il y a que MP qui a compris. On va voir ça dans la Bible aussi. We are going to see it, but it's only few that understand this government service. That's why you need revelation. La dernière fois, on a parlé de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est révélation. Avant que Abraham ait âge de 75 ans, quelqu'un qui a dans la maison de son père, son inhéritance, tout, les gens, ils connaissent. Ah, vous calculez aussi 75 ans, n'est pas 70 jours. C'est pas 60 jours, c'est pas 75 mois, c'est pas 75 jours, c'est pas 60. C'est déjà, quand même, le cheveu blanc est déjà sorti. Et le Seigneur, il a dit, sorti, laissez cette famille, laissez tout. Laisse. Si tu voulais rentrer dans mon royaume, quitte dans cette famille. Pourquoi? Parce que cette famille, c'est bondage. C'est la famille des idolâtres. Le bon sens ne veut pas localiser Abraham dans cette famille. Et c'est pas quoi, il n'est pas resté là-bas. La famille, la patresse et le pays. Donc ça veut dire qu'il y a radio, oh, que Dieu l'aide dans le Jésus. Ça nous parle aujourd'hui, tu es dans le faux église. Seigneur, il vient te dire, tu ne peux pas me voir dans cette église. Tu ne peux pas te rencontrer dans cette église. L'apôtre rappelle qu'Abraham, celui de le premier, qui a
Après la mort de son papa, c'est lui maintenant le chef de la maison. Donc, peut-être qu'il est le chef de cette église. Peut-être qu'il est le pasteur de cette église. Peut-être qu'il est le sous-dédé général. Mais le Seigneur dit, sortis dans cette église. Si vous voulez me voir. Et tu dis jamais. Tu es tout seul. Tu es tout seul. That's it. C'est moi qui ai ouvert cette église. C'est moi. Le Seigneur dit, laissez cette église. Le temps que tu as parti ouvrir cette église même, tu m'es parti. Ma main n'est pas dedans. Donc tu as su seulement la voix de ton pasteur. Ton pasteur qui t'a dit, Dieu t'a appelé, va aller ouvrir l'église, il t'a donné l'argent, il t'a donné tout. Il a dit de sponsoriser, c'est ça non? Sponsoriser. C'est pas, Dieu dit, je ne suis pas dedans. Ferme cette quitte. Allez, c'est la gloire que moi-même je vais te dire. Allez. Yes, somebody is going to call me, somebody come and bring money and sponsor you. He went to open the church. And God said, that is the revelation there. He came to Abraham. Abraham, after the death of his father, Abraham remained the father of the house, the chief of the house, the controller of the house. But God said, Abraham, leave that house, leave that family, leave everything, leave that country, leave the past. Because of what? That house is an idolatry. The father is an idolatry. They worship idol. And Abraham, if you remain there, you will never see me. It is talking to we that carry church on head. God said, that church, that man of God you are following, that place you identify yourself, God said, you cannot see me if you don't get out from that place. I hear. That's why he says in this head, Jeremiah chapter 3, verse 14 said, I will come to that city, I will take one out, I will take two of that family out. He came to that city of Abraham, that country of that Abraham. He took only Abraham out of that country to go and show him who he is. Dans le verset 14, il said, Je vais prendre dans cette vie. C'est comme si ça qu'il a fait dans la vie d'Abraham. Il a dit dans ce pays, prends Abraham. Abraham, sors. Si tu veux me voir, si tu veux me rencontrer, si tu veux que je réveille moi-même plus en plus à toi. C'est pour ça que les gens font n'importe comment. Tu ne peux pas sentir correctement si tu n'es pas encore reçoit la révélation de celui qu'il est. Tu ne peux pas comprendre que on savait. Alléluia. C'est pour ça qu'ils sont tous dans le ténèbre. C'est ça que quand ils sont en train d'écouter la vérité là, ils combattent, ils luttent contre nous. Mais ce n'est pas moi que tu combats contre Jésus-Christ. Je te dis sa parole sans mélanger. That's why when they will hear this word, they will fight against me. You are not fighting me, you are fighting against Jesus Christ. Because this word is what I am delivering. As I am delivering it, he is covering me and you are fighting him. You and your church. You are fighting. The truth is bitter. I'm not here to gather members. I am here to fish the souls. Il dit, il va me faire revenir un péché d'âme. Je suis péché d'âme, c'est pas péché de membres. I am the fishers of men, fishers of souls. I did not come to fish members. You are fishing members because you want to, you are doing business. Many of them have heard them. We have heard them where unbelievers even call them that what they open is a business empire, they call it church. Nobody do the grand English that so empire men. Empire, chef of Nigeria, empire. Il a dit un pastor que tu as dit ouvrir un magasin de commerce. C'est pas l'église. C'est empire qui dit ça. Empire. Parce qu'il a la gloire, il a le dépasse le plus grand église dans le Nigeria. Il a dit, c'est un païen qui a dit que c'est le magasin de commerce. Tu as dit de faire le commerce, c'est pas l'église. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Il s'est commercial center. Where members are selling themselves. Sexual immorality are passing there. Il n'y a pas de message pour les sauver. Il dit, ils savent. Quel Dieu est, on a dit ça. Quel Dieu est délivre dans le Jésus-Christ. Les vrais enfants de Dieu, ils les préparent pour partir. Et les autres enfants de partir. Et ça ne vous touche pas.
La révélation divine vous critique et vous condamne la révélation de Dieu. That's all they are doing. They tell themselves. The true children of God are preparing to go home and they are going everything. God is taking his children. And God is basically giving us revelation that the pastors need to teach the people and prepare them for the coming of Jesus. But those false church, we keep on telling them that it's a lie. And people are perishing. People are perishing. God is busy warning us. So you need to take the message and preach, tell people, correct your own mistake, repent, come back to the Bible truth. Come back where you have failed. Rearrange the altar of God you have broken. The altar has been broken. And there will never be fire on it until. And the fire there is the message of truth. It is not the anointing. Anointing is not holiness. Anointing is not carrying you to anywhere. Hallelujah. Sans les regarder au son. Au son, c'est pas la santé. Au son, il ne peut pas vous amener au ciel. Au son, il va te prendre, Après, quand il va mourir, au son, il va partir lui-même. Il va encore aller chez telle autre personne. Comment continuer encore? Si Jésus-Christ est le temps. Alléluia. Mais ça qui va finir, c'est toi-même et ta position dans le Seigneur. Que dans les éléments de Jésus-Christ. Dieu, ange de Dieu, il a dit, femme de Dieu. Tu dis que tu es correct, tu penses que tu es correct. Quand les gens t'appellent, tu leur dis que tu vas les voir dans l'église. Et après l'église, tu n'es pas vu les gens, parce que c'est pas que c'est le mensonge. Qu'est-ce que je veux dire maintenant? Dis-leur que s'ils t'appellent, c'est un Jésus qui l'a dit ça. S'ils t'appellent, dis-leur que je ne sais pas. Je n'ai pas su. Il dit, ça c'est bon, il dit oui. Cette langage, il t'est libéré. Parce que tu l'as délégué, tu n'es pas sûr. Donc, si tu les vois, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas voir, ce n'est pas le mensonge. Mais quand tu l'as dit, oui, on va, je vais vous voir. Après, maintenant, tu dis, tu es fatigué, ou tu n'as pas le temps. Tu sais que tu as déjà menti. Hey, il va aller dire moi, serviteur, tout, ils sont partout. Va aller. Ils pensent qu'ils sont purs. Ils pensent qu'ils sont saints. Le mensonge, c'est le mensonge. Tout le mensonge ne rend pas dans mon royaume. Alléluia. Que Dieu le aide dans Jésus-Christ. Que Dieu le aide. May God help us in the name of Jesus Christ. Something is happening. We need to wake up and understand where we are in the Lord. Lie is lie. Men of God, they will tell somebody, I will see you tomorrow. Someone will say, I am praying for you, and they are not praying any prayer. It's all lie. No liar will enter the kingdom of God. They don't know it. So it's like a time shot back at the prayer, not to the priest. Men of God, they let you. La fête de notre papier là, qu'on a rentré en Europe là, que Dieu a pitié. Chacun de nous, on ne doit pas laisser cette point de prière. Trop de mensonges. Asile, mensonge. Papier, mensonge. Tout ça, tout ce pouvoir, la position. Mariage, mensonge. Plus bas de mariage, c'est. Si ce n'est pas le papier, c'est pour la richesse. C'est pour la prospérité. Allez, pour les enfants, pour la CAF, pour RSA. Et la personne, il les donne les amis, il tout le monde dit. Jésus-Christ, à la fin. Alléluia. Tu vas seulement recevoir ce qui te dit que bien fait, mais c'est pas bienvenu. Bien fait, mais c'est pas bienvenu. Le Dieu n'est pas pareil. Pour nous passer ça, que ça veut recevoir donc, sous la terre là. Bien fait. Bien fait, il y a aussi le salaire. Hein? Quand ton directeur il vient, quand tu finis dans le mois, tu travailles à partir des permis, jusqu'à le 30 ou 31, il vient là-bas vérifier ton travail. Qu'est-ce qu'il dit? Bien fait. À la fin de le mois, il te donne des salaires. C'est ça. Parce qu'il y a des prospères dans le ministère n'est pas dit que c'est bienvenu. Peut-être que tu es dans l'affaire de bien fait. Vérifie toi-même bien. Pour connaître où tu es.
That's what people don't know. Wake up is different from welcome. Many Christians are on this edge. What they are receiving is welcome. Every welcome has a salary. You are working with somebody, you come there and say, welcome. The work is very fine. Welcome. Welcome. The end of the month, he pay you salary. But welcome is different. Welcome also has the reward. But the person is bringing you into a place with a reward. Bienvenue, il y a aussi son salaire. Et son salaire, c'est avec un rente. Parce que bienvenue, la personne t'a attiré ou rentré un adroit avec aussi la récompense qui sous cette affaire. C'est ça que Jésus-Christ m'a dit. Tous qui fait, qui a gagné, il va leur dire bienvenue avec un cron. Et toi aussi qui a dit bien fait, il y a aussi sa réponse dans le Matthieu, il va le dire aussi, il va aussi dans le Matthieu 7, il va dire ah, lui-même il va dire aussi ah, mais on a fait ça à ton nom, on a fait ça à ton nom, mais je t'ai payé, c'est bien fait, tu as bien fait, hein? Tu as chassé le démon, bien fait. Tu as prophétisé, bien fait. J'ai prié. Bien fait. Mais, il n'y a pas bien venu. Parce qu'il dit, tu ne mets pas sa parole à pratiquer. C'est ça qui manque dans ta mission. Les prières ne savent pas être votre position avec Jésus-Christ. It will never be our position avec Jésus-Christ. That is it. They are all in the Bible. Where God, that is it. You did it very well, yes. I chased him on, I cast him on, I prayed, I prophesied, I did this. He said, yes, but I paid you also very well. I paid you very well. You become very rich, you become very popular. Everybody is celebrating all over the world. I paid you very well, but something disqualified you. You refuse to put my words in practice. So I will not welcome you. Those that will be welcome are those who put everything in practice. So go. I don't know you. Amen. God help us in the name of Jesus. It's an egg. Tout le ministre, tout toi-même, tout toi. Si tu ne. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de la vision, il n'y a pas de la révélation. La Bible dit, il a dit dans le livre des Proverbes 28. Il dit, mon peuple, il périt à cause de. C'est pas connaissance, il dit vision. Pour oser, c'est connaissance. Pour Proverbes, c'est marque de vision. Il n'y a pas la révélation, il n'y a pas de vision. Tu ne veux pas être dans l'église, il n'y a pas la vision. Il va te montrer où que tu es. Tu ne veux pas être dans l'église. Tu ne sais pas si tu es dans le péché, si tu es correct même. Ne vis pas comme quelqu'un qui est aveugle. Chaque fois dans ta vie, tu dois regarder, tu dois, dans ta prière, prier, demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je suis correct? Si je ne suis pas correct, montre-moi ma position. Tiens, montre-moi. Tiens, pitié. Montre-moi. Ah, ça doit être ta prière tous les jours même. Un vrai enfant de Dieu, if you are a true child of God, he's not supposed to be praying all the time. That's how the child first of all, don't mess up, tu es décrit, cassé, coco, ramassé, brûlé. Est-ce que tu as déjà demandé Dieu aussi que, Seigneur, je suis où? Dans quelle position que je suis à toi? Montre-moi où que tu es su. Seigneur, montre-moi. Est-ce que si tu viens maintenant, tu veux rentrer dans ton royaume, Seigneur, je suis pitié de moi. Je veux connaître ma position à toi. Il n'y a pas tout. Vous n'avez pas à voir ça. Tout ça que les gens attendent que. Prophétie. Ah, 2020 là, tu viens avant 2020, tu vas construire ta maison au nom de Jésus-Christ. Reçois. L'année prochaine, tu vas marier. L'année prochaine, tu vas signer ta voiture. L'année prochaine, tu vas devenir président de ton pays. C'est tout. C'est tout. That's all the message they want. Miracle. Breakthrough. Breakthrough message.
breakthrough prophecy, breakthrough. None of them. No message to let them know that you need to go into prayer and find out. Ask God, am I truly your child? Tu devais prier dans le Seigneur. Est-ce que vraiment tu es ton enfant? Parce qu'il dit tous que Dieu aime, je les châtie. Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu comment tu vis n'importe comment et toutes choses marchent bien pour toi? Tu vis dans le péché. Tu forniques. Tu es dans la désobéissance. Tu as bien contre le monde et toutes choses vont bien pour toi. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Va demander, va prier, demander Dieu. Va demander. Comme l'exemple que je vous dis, la femme, le monsieur qui a marié, à l'exemple a été vu. Un monsieur, il vient te marier. Et tu es tes amis. Tout, il t'a accepté. Il a marié, il t'a déjà marié. Mais toute la vie que tu vis, le temps que tu es célibat, hein? Tu n'es pas encore, le temps que tu es tout seul, il a aussi accepté tout. Ton copain qui couche avec toi avant, il dit tout, viens, viens chez moi. Quand on te fait votre affaire chez moi, pas de problème. Tous tes amis, venez chez moi. Il va dans le travail, il vient, il te trouve même, vous avez de coucher sur dans le lit. Il ouvre la porte, il a dit, c'est bon. C'est ton mari, oh. Et. Non, c'est comme ça, c'est le genre de critère que nous, on veut être. C'est le genre de critère qui passe aujourd'hui. That's the type of person that goes out there. The Christian that the way you are living, that man come to marry you with your boyfriend, with your girlfriend that you are sleeping with. He now opened the door and the man you take it to his house and he told you that continue to live your life like that, there's no problem. There's no problem. He goes to his work and come back and see you. You are even sleeping with your boyfriend on his bed. He come in and opened and saw you people and he was happy. He went to see that, put television and watch it and tell you people that all is well. And he said that's Christian that you are in the church. That's the kind of church we have today. That's the kind of message they are preaching to us today. C'est ce genre de message qu'on a aujourd'hui. C'est ce genre de message qu'on nous a donné aujourd'hui. Et ça l'enfer. La route, tu sais, boulevard direct. Cette voiture, quand il va arriver à la porte de l'enfer, il va ouvrir la porte et tout le monde descend, rentre, allez-y vous. Il va continuer encore à aller chercher les autres. Alléluia. C'est ça. That's the kind of trade that we enter. That trade will load us, fool us, carry us direct to hellfire. When you get there, you open the door and discharge everybody to hellfire and move on again and go and load people because there is too much people. Too many. Parce que il y a plusieurs qui sont dans cette affaire, qui a fait le prépare. Allez à la fête. Que Dieu nous délivre dans Jésus Christ. Mais quand on délivre, on délivre Jésus Christ. C'est pour cela qu'on ne doit pas être ces gens d'église. On ne doit pas être ces gens d'église. On ne doit pas vérifier toi-même. Maintenant que tu vis encore, vous et moi, je vous dis toujours que quand j'ai prêché, pour moi, vous avez dit, après toute cette condamnation que Ange de Dieu a dit, plein de choses, mais il a dit, femme de Dieu, je vais te dire la vérité. Tu as plein de choses attaquées dans ta vie. Si tu me mets maintenant, tu vas aller à l'enfer. Il y a encore 80 péchés contre toi. Quand il a dit ça dans l'église, l'église a crié. Il dit, ok. Vous pensez que je suis ange. Moi qui vous dis ça tous les jours, l'ange de Dieu l'a venu me dire qu'il y a encore 80. Il dit, je sais que j'ai l'esprit de la colère. Mais Dieu a mis la levée tout ça. Et vous-même, vous avez mis la plupart de nous qui avaient assis pour moi ici. Et vous avez vu que ça a été changé. Mais je ne sais pas que les autres, que l'ange de Dieu a compté, il m'a montré, mais je ne sais pas que aussi ça. Il dit donc. Donc, si moi qui est là, il est 80, fou.
Que Dieu l'aide dans le souci. Ah, nous qui avons prêché la vérité là, il y a 80 jours, moi, et les gens qui se sont à me tuer. Mais les gens qui ne prêchent pas même la vérité, vous avez fait ça quand vous avez passé. Que j'ai la mort totale. Alléluia. Que Dieu l'aide dans le Jésus-Christ. That's why I'm a woman of God. Ah, after the angel of God said, you still have 80 sins that condemn you if you die now. Ha! The church shouted. We are to preach the holiness, we even have sin in our life. Talk us as where they have wiped up the holiness message completely. What they preach there is don't sin, dress moderately, don't sin. See, go and look there now. You know that place is a dead zone. That place is a cemetery. Many churches are a cemetery. Jesus Christ said it also. When we say it, they will think that we are saying the word of God. In Matthew 23, he called them white grave. Dead zone. Open it, what you see, dead people. Quand on l'a dit que nous sommes en train de nous sommes méchants, nous sommes en train de parler. Moi, je parle la parole de Jésus. Jésus dit, cette église, ils sont cimetières. Cimetières. Matthieu 23, qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont tombeaux blanchés. À l'intérieur, tout ce qui est là-bas, pourri. L'église est belle, mais ratée dedans. Tout c'est pourri. C'est ça qu'il a dit de parler. Pourri. Ils sont incapables. Il n'y a pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est le message de la parole de Dieu. La vérité. Ah, c'est pas pour le message agréable. Le message qui va faire tout le monde pleurer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Regardez. Ange de Dieu, il a dit. Depuis que quelqu'un a dit la vérité, tout pas la vérité. Six fois, les assassins étaient venus avec des fusils pour t'éliminer. Toi, pasteur, quel message que Dieu prêche? Est-ce que tu as bien prêché la vérité? Les assassins sont contents avec toi parce que tu n'as jamais prêché la vérité. Alléluia. You, pasteur, what message are you preaching? Assassins have never looked for you because you never preach the truth message. The day you preach the message, the truth message, the Pharisees and the Sadducees will look for your head. Alléluia. Le jour que tu prêches la vérité, les pharisiens et les sadducéens et les scribes, il va commencer à te chercher pour t'éliminer en 7 jours. Mais tu ne veux pas prêcher, ne veux pas aller de ce côté, parce qu'il ne voulait pas mourir. Ne veux pas mourir. Il est suicidé, dit, tout ce qui a perdu leur vie à cause de l'évangile va récupérer leur vie en son royaume. Mais toi qui as protégé ta vie, tu ne veux pas mourir. Il dit, tu as déjà perdu ta vie. Et Dieu aide le Jésus. Mais bon, réponse. Mais God help us. On va aller voir quelque chose. Je ne sais pas si on va t'amener là-bas. On va prendre la prière. Seigneur, je veux que vous voulez. C'est la façon qu'il a fait de la vie, il a révélé les choses même. Que Dieu aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, nous tous. Qu'on rentre dans son royaume au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Et Marc 4. Le temps que nous sommes là, si tu veux accepter, si tu veux départir, si tu ne veux pas, continue dans ton bêtise. Allez-y. Sous ton église, continue dans ton poste. Abraham, il a laissé son poste. C'est une révélation pour nous. Il a laissé son poste. Il a laissé la poste que cette église t'a donnée. Tu penses que parce que tu as construit l'église, ça va t'amener aussi. Impossible. So people think that they build the church, I am a builder of the church, I build the church. They think that you build the church is what will take you to heaven. Impossible. Abraham left his post as the one who is the chief of the house. He abandoned everything, moved. The word of God is calling you now to abandon. Come out from that place. And get the gospel truth and repent. You said no. You think that your post, your pastor might be giving you every year, they're giving you a title that heaven did not recognize. Chaque année, ton église te donne la promotion. On te donne le titre qui est le ciel n'est pas reconnu. tu vas, le jour là, c'est bien maintenant que nous tous on pleure maintenant. Au lieu d'aller pleurer à l'enfer. Pleure maintenant pour réaliser ta vie avec Jésus-Christ. Pour éviter l'âme des derniers jours. Cette âme ne t'amène pas. Il n'y a pas à faire là-bas.
D'accord. C'est bien maintenant que tu oublies maintenant que le message de la vérité vient maintenant te chicote. Que Dieu vient te châtier maintenant. Que Dieu vient te frapper maintenant. Que la parole qu'on a fait de parler là te frappe. Que Dieu plaît maintenant pour récupérer ta vie dans son royaume. Pour rire tout ce qu'elle a fait. Au lieu de rire maintenant et terminer avec elle là. Les gens ne comprennent pas ce qui est en train de passer. Les gens ne comprennent pas. People does not understand what is going on. It is better for you now to cry right now that you are living. Cry for your life. Rearrange your life. Receive this true word that the king is coming out of this world to fire you, to hammer you, to change and to repent from all your wicked attitude. That wicked Christians, haters of brethren, criticizers in the church, demoting one another in the church. Le péché qui sont terribles dans l'église. La démotion c'est dans l'église. La haine c'est dans l'église. La haine c'est dans l'église. Mimi ou contre ton frère et ta soeur dans l'église. La critique dans l'église. Mensonge, mentir contre ton frère et ta soeur dans l'église. Dans l'église. Toutes choses qui passent dans le monde se trouvent maintenant dans l'église. La vol dans l'église. Et tout le monde, quand il est demandé, il s'en fait attendre à l'événement. Tout le monde a fait attendre à l'événement. La haine contre quelqu'un qui te dit la vérité dans l'église. Les gens qui persécutent la vérité sont les chrétiens. Les païens qui les connaissent. Il va te passer comme ça. Il va te demander quand tu lui dis ça, il va dire c'est là. C'est vrai. C'est vrai. Et Dieu me dit. Ou il prend son pied à dire de boire. Il y a des autres qui disent, si c'est là à l'enfer, non. Moi-même, je ne peux pas moi-même pour aller là-bas. Il ne va pas te passer. S'il est même malade, il peut venir, il peut t'appeler et prier pour moi. C'est ce que ton Dieu répond la prière. Mais le chrétien, il ne va pas t'appeler, il va dire, ah, laisse-le dans ton faux église là. Ah, critique. Oui, ils sont sur les rires, ils sont sexe. Ah, il ne peut pas les appeler. Au lieu de t'appeler, il va aller appeler un païen ou un magicien pour prier pour lui. Critère, contre Jésus-Christ, ennemi de Jésus-Christ, pasteur, ennemi de Jésus-Christ, critique. Parce que les autres pasteurs, parce qu'ils t'ont dit la vérité, je ne vais pas m'aimer, mais tu vas me critiquer. People who are pastor, criticizing your pastor, you criticize me because I am telling you the truth. That's why you can't love me. You can't love me. My message is for the true children of God. Those who are spiritual, they understand my message. And they will love it. And they will change. And they will walk with it. Hatred in the church of God. Every wickedness is going on in the body of Christ. And they said, when you touch them, we ask them, everybody is waiting for rapture. Come and rapture now. You don't turn away from it. Post, they are fighting against post. They are giving bribe to collect tithe. This is the donner de l'argent pour acheter le titre. Les autres achètent le bateau pour le pasteur est envoyé là où il va trouver l'argent. Dans les dénominations, vers les branches là où il y a l'argent. Et le pasteur a fait tout ce transfert. Il n'y a pas de problème. C'est ta business, non? Le commerce. Commerce dans l'église. Ça fait l'effet de la commerce. Dans l'église. Comme Jean. Ils sont oubliés Jean 2. Donc, Jésus-Christ l'a trouvé. Et, ah, qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont pensé que tout ça, c'est histoire. C'est pas que c'est la révélation. Oh, nous sommes, c'est le Bible. John 2, just as many of them were selling and buying in the church. Commercial business in the church. Demoting and promoting. Because that person is preaching the truth word, you demote him. The one that preaching what pleases you, pastor, GEO, you promote him. God is watching. He will bring that judgment upon us. He will pay for it. So the day tomorrow, parce que le nôtre, il prêche la vérité, il ne regarde pas quelqu'un.
Et là, seulement la parole de Dieu. Jamais tu ne vas te donner la promotion. C'est l'autre qui prêche ça qui te plaît, qui est en train de glorifier ton pasteur, comme tu te diras, tu lui donnes la poste, la promotion, parce que c'est lui qui te plaît. Tu vas payer très cher. You will pay. It is your business now. You will pay very, very hard. It's waiting for you. Je vais voir comment tu vas échapper la jugement de Dieu. Alléluia. I will see how you will escape the judgment of God. It's waiting for you. Là où il y a la vérité, les autres vont prendre le téléphone. Parce qu'ils combattent contre le même. Pourquoi aller là-bas? Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi aller là-bas? Pourquoi aller là-bas? Il dit que vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi aller là-bas? Dieu est l'église ici. Dieu est mon église ici. Dieu est mon église ici. Tu vas payer très cher. Tu es anti-Christ, anti-évangile de Jésus. You are an anti-Christ. You are anti-gospel and not yourself. You will pay very, very costly. You will pay for it. That's why it is better you cry now. To escape the tears that have no end. Cry now for your soul. Repent now. Change now. So that you will not cry on the last day. Cry now. Give me the name of Jesus Christ. Two man, tu vas aller mentir contre le pasteur. Les gens viennent dans l'église, tu les retirer, tu as dit les mentir, tu as dit les utiliser tout le mauvais langage contre le pasteur, parce que le pasteur il dit la vérité, il dit vous ne devez pas porter le pantalon, la Bible vous condamne, les groupes de soleil et tout. Tu commences de faire la réunion et appelle les gens parler là-bas. Tu es contre le Christ, tu vas payer très cher. Maintenant, tu dois pleurer pour ta vie maintenant avant que la fin de ta vie. Parce qu'il y a un endroit. L'âme là-bas ne se terminait pas. Alléluia. There is a place that the tears and glass of teeth there don't end. That's why you need to cry now and repent and turn away from it. So that day you will never find yourself there. But if you don't repent and continue with your lying tongue, lying attitude, lying character, deceiving. Deceiving, the Bible said, deceiving and being deceived. La Bible dit, tromper et tromper. Si tu n'as pas ce cette affaire, il y a un endroit que là ne se terminait pas. Pleurer pour ta vie maintenant, pour éviter pour cet endroit. Les gens ne connaissent pas la vérité. Alléluia. Et ma soeur se demande, pasteur, je vais venir à l'église, mais tu sais, non, tu sais. Le soir, tu vas pleurer. L'âme, il ne va pas que ça tombe dans tes yeux maintenant. Là-bas, tu vas chercher l'âme, tu ne vas pas trouver. Alléluia. Les autres, c'est de travailler trop de temps. Le travail là, il ne veut pas laisser. Allez chercher Jésus-Christ maintenant. Un jour. Va aller demander tous tes parents même qui sont morts, ils sont où? Ils sont travaillés, tu sais, tous les jours pour travailler, ils sont où? Ils sont où? Va aller les voir. Va aller les voir. Isaïe 66, 24, il dit, va aller voir les cadavres. Depuis des années qu'ils sont morts, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas la joie. Et la parole de Dieu vient maintenant te dire, répande. Tu es dans la catégorie qui nous critique, qui nous persécute. Tu vas regretter. Tu as encore le temps maintenant, quand tu as écouté ce message, mets-toi à genoux et demande au Seigneur, aie pitié. Fais-moi sortir dans cette situation. Tu as des souffrances, pasteur, non? Ils sont beaucoup. Combien de pasteurs de Dieu qui, de vrais pasteurs de Dieu qui prêchent la vérité? Regardez-les. Combien? On ne sait pas beaucoup. Look at the world. How many are the pastors of Jesus Christ that are preaching the truth? We are not many. I am among them. They have called me and chosen me. I thank God. The soul family, c'est cela que il m'a appelé à choisir. Et il lui demandait la force, la puissance pour continuer. Là où Jésus donne les règles.
délivre-moi, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié. Aie pitié de moi. Pour ne pas me laisser de mourir dans le rêve, dans le péché. Mais toi qui penses que tu es parfait, continue. Toi qui penses que tu es correct, continue. Toi qui as fait de tromper les gens, que quand tu as confessé de ce que tu as déjà le ticket et le billet pour aller dans le règne de Dieu, continue, continue. Vous tous, vous trouvez vous-même. Là, ok, l'âme, ne jamais chercher. La haine donne le cœur. Tu dis que tu as déjà pardonné, mais à l'intérieur, c'est faux. C'est faux. Si tu es sali, tu refuses. Quand tu le salues, c'est faux. Tu sais que ça n'a tu n'es pas. Donc ta prière, toute la prière que tu as fait de prier, c'est que Dieu les détruit. Alléluia. Femme de Dieu, là, il a dit, ange de Dieu, il a dit, tous les gens qui t'ont offensé, est-ce que tu l'as pardonné? Il dit oui, Dieu l'a pardonné, il dit non. Il a monté quelqu'un. Il a dit quelqu'un. La personne qui t'a fait ça, t'a fait ça. Mais tu as déclaré, tu as prononcé quelque chose. Et quand il a roulé à la route avec les parties, il a connu quelqu'un avec le moto. La personne est morte immédiatement. Maintenant, ça lui a mis dans le problème. Il est dans ce problème. Ça cause de. Parce que tu n'as pas pardonné. C'est là-bas qu'il a dit: Hey! Il dit: Qu'est-ce que je veux dire? Il est dans la route, il dit: Carré, il croise. Déjà, il lui regarde. Déjà, il ne sait pas. Il part avec elle. Il dit: C'est la route de le marché, la route d'aller au marché. Il dit: Ange de tout la vie, il y a un blessé. Il a rendu de l'air, je suis contre. He said, the angel of God is not in the back, but he said, why are you here on the way? He was talking alone. He said, he did not forgive that man. And that man, that's why he hit the Okada man, and that man died. And that put him in problem because of what? You did not forgive him. He said, forgive, leave, even bless him. But leave the Lord. He said, but you said, when you said, we shall our enemies, he said, yes. He said, but he said, when you bless him, I, God, the God knows what, how you deal with that person. Hallelujah. He did, le Seigneur dit, il dit, avec les mains, il dit, notre ennemi n'est pas mal, il dit, oui. Il dit, pardonne-moi, laisse-moi, bénis-moi, enlève son affaire dans ton cœur. Il dit, cette bénédiction, quand la Bible dit bénis-moi, il dit, Dieu, il sait comment il va lui pardonner. C'est ça qu'il a fait contre toi. Il dit, Dieu, c'est toi qui vas faire ça. Il dit, mais quand tu n'es pas pardonné, il dit, la personne, il va recevoir la répercussion. Et quand il va recevoir ça aussi, ton cœur aussi, tu vas être content à l'intérieur de ton cœur. Alléluia. Il dit, c'est pour ça que laisse tomber. Pardonne. Si il te demande la prière, il dit, mais ça que tu ne dois pas faire, c'est, il dit, tu le pardonnes, dis-lui la vérité. Il a dit même, c'est un péché. Il a dit aussi, depuis que tu as commencé de maintenant de baisser un peu la volume de la vérité. Tu sais pas que c'est un péché. That's what he says. Si tu dis, reduce the volume of the truth word of God that I, God, have given unto you to go and use to set my people free. Those who want to hear, those who want to be free, leave them. But to leave that word as it is, because of persecution, you begin to reduce the volume of that word. You know, this is a sin. It feels like it's in the péché. Dans le livre de Jérémie, quand il a fait ça, il a fait tout le verse qui nous condamnait. Le livre de Jérémie, c'est de base que c'est 48 ou 7 verset. Il dit, Mano et tous qui voient là et qui fait l'offre de Dieu n'importe comment. Hein? Premier. Et le deuxième, Mano et tous qui voient, qui retirent son épée. Sous la guerre. L'épée, c'est la parole de Dieu. Tu as vu quelqu'un a vu de faire l'erreur. Au lieu de dire ça, tu dis non, si je dis maintenant, laisse-les aller regarder. Allez regarder là-bas. Tu as retiré la vérité. Pour sauver cette âme, tu as retiré.
ou peut-être quelqu'un vient te demander, est-ce que le pantalon c'est le pantalon, est-ce que c'est bon pour porter? Il dit, tu as dit, si je l'ai dit, mais on va m'attaquer, mais ici. Il dit, ah non, pour moi c'est comme ça que je veux habiller, c'est pour ça que je mets ça. Moi je n'aime pas tout cela parce que je ne m'aime pas. On lui a dit que la Bible condamne. Tu as dit que tu as dit oui. Pourquoi tu veux habiller comme ça? Notre pasteur dit, la Bible condamne ça. C'est pour cela que moi je suis chrétien. Parce que la Bible condamne ça, j'ai habillé avant comme toi. Mais comme parce que la Bible condamne ça, c'est pour cela que j'ai changé. J'ai habillé maintenant comme la Bible. Simple. Il va te détester. C'est ça que l'ange de Dieu il a dit, on va te détester, on va te persécuter, on va te faire tout. Mais tu as déjà libéré ta tête et tu as déjà aussi dit la personne à côté de toi, tu as déjà dit ça. Il va t'aider, il va te haïr, il va te critiquer. Il dit, oui, à la vérité, la critique est persécute avec la vérité, c'est comme ça, ils sont ennemis. Mais il dit, mais vous ne pouvez pas la critique, vous ne pouvez pas que les gens vous détestent, vous ne pouvez pas que les gens vous rejettent. C'est pour cela que vous n'avez jamais dit la vérité. Et c'est un péché contre l'évangile de Jésus-Christ. Il y a plein de choses que Dieu nous délivre dans Jésus-Christ. Mais God help us. There's too much things you don't want them to hate you. That's why you see them doing evil. They will call you on téléphone. On va t'appeler un téléphone. La personne te pose un conseil. Et tu sais que c'est le conseil là. C'est pas bon pour un enfant de Dieu. Au lieu de lui dire que moi, je suis un enfant de Dieu. Ça que je me demande là, c'est contre la parole de Dieu. Donc, pour moi, voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que la Bible dit. Va aller de ça. Et c'est ça. Si la personne ne veut pas t'appeler encore, il reste. That is it. Don't compromise the word of God. He said, there is all things are sin against us. You don't want to offend that person, but you are offending God. Il dit, tu ne veux pas offenser cette personne, mais tu as dit offenser Dieu. Dis-moi maintenant, entre Dieu à cette personne, dis-moi qui va nous juger. Tu ne sais pas que tu dois laisser les gens te détester et que Dieu t'aime. Satisfier Dieu et dissatisfier les gens. We are pleasing human beings and committing sin with God. He said to him, let my people dissatisfy people, but satisfy God. Because he is the one that will judge. I judge that person. Parce que celui qui va te juger est juge cette personne. Satisfier Dieu et dissatisfier cette personne. Dieu ne veut pas la persécution. On veut être libre. On veut vivre libre. On ne sait pas qu'on ne peut pas la condamnation de Dieu. Que Dieu nous aide dans Jésus. Mais God deliver us. We have a little problem. We have a little issues to deal with. God help us. Let us be on our feet. Ah, thank you, Jesus. Il y a un endroit qui devrait toucher. Mais c'est clair. Là qu'on a dit là, on va lire quelque chose là-bas. Mark 4. Let us read it. On va continuer. Que Dieu nous aide. On continue ce message. Et nous toujours. Mark 4, where we took our test, our Bible reading. There's something there. It's a very great lesson, but let me just take this in. Let me just show us something there. And we have a particular issues. Mark 4. Aha. Here is just a lady. Let's see verse. Aha, 11 et 12. Aide-moi. Mark 4, 11 and 12. Let us just take there. Next time we go on. Aha. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Aha. Mais pour eux qui sont dehors, tout se passe en. Il est quoi? Mais eux qui sont dehors. Dehors de quoi? Les gens ne connaissent pas où. Dehors de quoi? Dehors de la paix de Jésus-Christ. Dehors de le royaume de Jésus-Christ.
Oh my God. He said something there. I will give it next time. He said, and he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them that are without, they that are outside the kingdom of God. There are people who call themselves Christian, they are outside. The mystery of the kingdom are not given unto them to know. It is pour vous qui est mon peuple, donc le mystère de le royaume de Dieu. Donc, il dit, mystère de le royaume de Dieu, c'était à vous. Mais les autres qui sont dehors où? Dehors le royaume de Dieu. Ils sont dehors. Ils sont dehors. Rappelez, et dans son parabole aussi, dans Matthieu aussi dit, Matthieu 24, il dit, Matthieu 24, il dit, il va venir quand la porte est déjà fermée. Matthieu 25, il croit, et la porte est déjà fermée. Il va lui demander, vous êtes qui? Il va dire, nous sommes ça, quittez-vous là-bas, la porte est déjà. Ils sont, ça c'est les gens, ils sont dehors, ils sont chrétiens. Mais ils sont refusés. Continuez, il n'est pas encore fini, il y a quelque chose qui va encore expliquer. Sont dehors, tout se passe en parabole. To everyone, say, look at it, there's two groups of people there. Those who are outside, those who are outside his kingdom, they are also, they carry the label of Christian, they call themselves also Christian, but they are outside. They can never know the mystery. The mystery of the kingdom of our Lord Jesus Christ is given to his true children. He opened it unto us. That's why if you don't have revelation, if Jesus does not give you revelation, you will continue to pray, fast, do all kind of things. But you will never, in that day, you will say, I don't know you. You will continue to believe in anointing and power and everything, speaking in tongues and just a demon. But you will never enter to his kingdom. Because his kingdom is misery. The word of God, you are following a word that does not give salvation. The Bible, there is words that give salvation, and there is the word that God, you don't get any value of salvation in them. And your church is beginning teaching you those words, and you are following it, and saying you will enter the kingdom of God. You see what you say here? Continue, hein? Afin qu'en voyant. Maintenant, viens voir ce qu'il a dit. Oh. See what he said now. After that, he said, but unto them that are without, all these things are done in parable. Everything concerning the kingdom of God, right from Genesis to Revelation, it is done in parable. To them that are outside the kingdom. Those that the door will be closed against, and they will be knocking. According to Matthew 25. He will say, tell to them, go you away, I don't know who you are. They will say, we have done this, we have done this to you. He said, I don't know you, because there is people he came to look for. Those people that are lost sheep of his father's house. I pray that we shall all be among those ones in the name of Jesus Christ. We will never be among those that are outside. This message is, I take it, the sheep and the goat. Alléluia. Cet message, le titre de cet message, c'est le bubu et le bouc. Le bouc, ils sont aussi au milieu des chrétiens. Le bouc ne peut pas jamais écouter et attendre la voix des bergers. Mais le bubu, continue. Regarde l'affaire. Le deuxième pas, on va regarder comment il nous a expliqué tout. Regarde maintenant le 10. Verse 12 now, see what it says, ok? Afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point. Thank you. Tous qui sont dehors ne peuvent pas jamais voir et connaître le mystère du royaume de Dieu. Anyone that is outside the kingdom of our Lord Jesus Christ will never see the mystery and the revelation of his kingdom. They have eyes, but they never see. The spiritual eyes have been plucked out like the eyes of Samson. What happened to Samson has happened to them.
The eyes have been plucked out by their pastor, by their church, by their ministry, by whoever they are following. He has blinded them. Hallelujah. L'élection, il a le ciel une fois pas. Ça qui est arrivé à Samson, il est arrivé sous l'élection. L'élection est déjà élevé par les pasteurs, par l'église, par les dénominations, par les bishops, par les secrétaires généraux, par les fondateurs. Donc, il a le signe, comme il y a le ciel là-bas, mais là-bas. C'est ça que Jésus, c'est Jésus qui a mis de parler où hein? Que Dieu est le nom de Jésus. Notre Dieu est très, il est très mystérieux dans sa parole. Our God, is Jesus that is speaking to you, our God is mysterious in his words. He speaks mystery. He talks in mystery. He parle dans le misère. C'est cela que tout ce qui va parler en misère ne parle pas trop. Jésus ne parle pas trop. Avant que tu parles, connais la réponse qu'il va te donner. Quand il te donne la réponse là, confession. Aérien. Tu vas commencer à le chercher où? Qui va m'interpréter ça? Où? Qui va faire un rêve? Je ne connais pas comment. Qu'est-ce qu'il a parlé là-bas? Alors que cette rêve, il a juste parlé de toi-même. Et toi-même, tu vas faire une mauvaise interprétation. Mais quand tu vas trouver quelqu'un qui connaît les vraies interprétations, il va te dire que c'est toi. Et il va commencer à dire c'est fort. Et il n'est pas bien interprété ça, c'est fort. C'est pas moi. Tu lui laisses avec toi. Il va voir ça, la dernière chose. Continue. Et quand l'attendant, il n'entend pas. L'attendance, c'est pour cela que, regarde, là on a dit d'abord dans Jérémie 3, Jérémie 3, 14 et 15. Il a dit quoi? Le pasteur il va aller apprendre la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Donc, quand il a déjà appris l'intelligence, la connaissance, maintenant, si c'est quelqu'un qui n'attend pas avant, il va venir son jour et tout va ouvrir. Ah, nous, parce que nous avons dit comme ça, c'est ça. La révélation de l'Esprit de Dieu va rentrer et vous dire, ça c'est Jésus qui passe, ça c'est la vérité. Alléluia. Mais parce qu'ils sont refusés, la vérité, ils sont tous les dos sous la vérité, en attendant, il n'attend pas. Impossible. You can never hear. Il dit, he hear not. You can't hear because. Is where we read first in Jeremiah 3, 14, 15 says, he will lead you to the pastor of his own heart who will teach you understanding, knowledge and understanding. But because you refuse to go there, because you put the following Jesus Christ to lead you to that place, you go to a dead place. There will never be knowledge, there will never be understanding. Never. Your understanding is taken away completely. Can never understand. You will hear what you can't understand. Continue. Et ne comprennent point. Tu ne peux pas comprendre. Parce que tu vas comprendre avec quoi? Il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas l'intelligence. Tu vas comprendre de quoi ton philosophie de théologie. Tu vas aller faire quoi là-bas? C'est un enfant. Que la Bible parle de l'affaire de l'enfance, il dit je peux même lever le caillou pour vous renseigner. Tu vas voir, ça là va commencer à parler. Alléluia, il est capable de faire ça. Quand il parle, il parle à Balaam ne veut pas attendre. Hein? Son lac. Il a dit, quand tu ne veux pas, Balaam. Quand tu ne veux pas attendre, moi aussi je veux te dire aujourd'hui que j'ai la voix, je parle. C'est pas seulement pour faire mais. Je ne vais pas. Là, va. Jamais. Va. Laisse. Regarde, là où il vient de Dieu t'a dit. Que Dieu ait le nom de Jésus-Christ. Il dit Jésus. C'est ça. En tant que tu ne veux pas, que Dieu ait le nom de Jésus-Christ. Que Dieu ait dit. Continue. Et de peur qu'une route se convertisse. Regarde-nous. Fais-nous. On a toujours parlé de la parole. Il dit quoi? De peur qu'une ne se convertisse. Ça, c'est le sujet qui parle. C'est pour ça que vous réfléchissez-vous sur la salut.
He said, and not understanding. He said, lest at any time they should be converted. And their sins should be forgiven them. Finish that for me. Le peuple ne se convertisse uh-huh. et que les péchés ne leur soient pardonnés. Et tu as dit d'aller dans l'église. Tu n'as pas demandé quelle église que tu as dit d'aller. L'église qui ne touche pas les choses là, qui ne t'explique pas, qui ne brise pas, qui ne resserre l'église. Le Seigneur l'Église se brise sous la parole de Dieu, un par un, ligne par ligne, précepte par précepte, débloquer, dégager, et explique les enfants de Dieu, c'est lui qui sont les vrais enfants de Dieu, et il connaît où que tu es. Tu es où? Said, you are going to church. Church that does not know the word of God. He's following the man of God that doesn't know the word of God. Who doesn't know how to explain, break the word of God one by one. Precept by precept, line by line, explain the word of God. What the Lord mean and what God is saying. So there is some people that the Lord have designed. God is the one who created these people. But he created them that they must go to hellfire. That they will never convert. He said they have been created on that side. He said their eyes will not be open. Understand will not be open. So that because you know when they open, they will be saved. But he said it will not be open. So that they will not be converted. And their sin will not be forgiven them. So that they will end it up in hellfire. Hellfire must swallow people. Ah, they don't get it. Ça veut dire que l'enfer est déjà préparé. Obligatoire, l'enfer doit avaler les gens. C'est ça qu'il a dit là-bas. Obligatoire, les gens comme vous et moi, que c'est Dieu aussi qui a crié. Les gens ont dit de parler de Dieu, c'est Dieu de l'âme, et il n'est pas dit de crier. Et laisse ça que le pasteur est là-bas, il n'est pas dit de crier. Tout ce qui confessait Jésus-Christ, il sera sauvé et tout. Mais pourquoi la Bible dit des choses là, que les gens ne doivent pas convertir et les péchés ne doivent pas les pardonner? Que à la fin de ça, qu'il va aller à la fin obligatoire. Vérifie toi-même, tu es dans cette catégorie. Tu es dans cette catégorie. De prophétiser, de prier, de se prier guérir, de ce ça. C'est ça. Prends cette veste, réfléchis bien. Les enfants, réfléchis. Ton maman t'a dit, il est appelé de devenir sage de ce que tu dis non. Peut-être que tu es dans cette catégorie. Ah, qui donne aide? Le mari et la femme. Dieu te parle. Ton mari te parle. Répète. Mari, répète. La femme, répète. Tu refuses. Peut-être que tu es dans cette catégorie. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire. Si Dieu a déjà écrit ça comme ça, que jamais tu ne veux pas répéter, tu vas terminer avec cette aide. La parole qui est ici et tu vas aller à l'enfer direct. Alléluia. C'est la Bible. That's why you have to be very careful. You see it? That's why you children, your mother, your parents are calling you to come and serve God, you refuse. You husband, your wife is calling you to repent and change and serve God, you refuse. This verse, Mark chapter 4, 11 and 12, maybe that is where you belong to. He said, so that he said, he blocked your ears so that you can never repent. Pastor, sois pastor. Tu écoutes la parole là, tu refuses. Peut-être que tu es dans cette catégorie. Tu ne peux pas jamais repentir et convertir jusqu'à la fin de ta vie pour aller à l'enfer. Parce que, obligatoire, l'enfer doit avaler les gens. Alléluia. C'est obligatoire. Let me know. Let us be on our feet. Oh, Jesus Christ of Nazareth. Have mercy upon me, Lord Jesus. Have mercy. Anything that condemned me, forgive me. Tout ce qui m'a condamné, pitié de moi, pardonne-moi. Priez, confesse, bien aimé. Ah, le rendez-vous. Faux rendez-vous qu'on a pris de donner. Faux rendez-vous. C'est le péché ou c'est le mensonge. Il t'a appelé, tu dis, ah, on va voir demain. Alors que tu sais que c'est faux. Tu ne vas pas le voir demain. Ah, confesse.
C'est vrai qu'il a préparé ce groupe de gens. Il dit, il va attendre, il va écouter, mais il ne peut pas jamais accepter la vérité. Au lieu d'accepter la vérité, il va encore pas être attaqué, il va nous attaquer. Oui, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Que tu vas écouter, mais tu ne peux pas répéter. Il dit, tu ne peux pas combattre jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne peux pas. Pour aller à la fin, les gens doivent être là-bas. C'est obligatoire. Hellfire is prepared. People must be there. That's why the message, the truth message will be coming. You will say, it's a child. I train him. I train him. I know him. I am the one that train him. I his father in the Lord. Which father in the Lord you are? Father in the Lord that living in sin. Father in the Lord that leading the children into hellfire. Repent and change. Turn away. God is the one that called me. It's not you. He don't know when he appointed me, he chose me. He has sent me, to come and announce to you that if you don't repent, you belong to this category. In Acts, in Mark 4, 11 and 12, you belong to that category. You will be hearing the truth, but your stubbornness will refuse you. And he says, so that you will never convert. You will always be interested in the things of the world. You're going to prosper in the worldly affairs so that you are doing ministry and you are ending up in hell. Repent now. Change. Come back to the Bible. That's the only solution you have now. If not so, hell has been prepared. It is purposeful that hell must swallow people. And it's swallowing people. And the Bible says, he has been enlarged to swallow more. Enlarged to swallow more. Where is your position? Call upon the Lord now. Your anointing cannot save you. Anointing cannot save you. Your prophecy cannot save you. All the speaking in tongues cannot save you. All the title you carry cannot save you. Everything you carry cannot save you. You build that church. You give the highest money. You pay the highest tithe. You give it all day. It cannot save you. Only that can save you is come back to Jesus Christ in the spirit and truth. Rien n'est pas de sauvé. On a déjà vu dans la Bible. Personne n'est pas de sauvé. Ton église n'est pas de sauvé. Ton pasteur n'est pas de sauvé. Ce qui va te sauver seulement, c'est le message de la vérité. Le message qui ne regarde pas quelqu'un. Le message qui ne perd le respect de quelqu'un. Le message qui n'est pas mélangé. La parole de Dieu qui n'est pas mélangée. C'est ça qui fait te sauver. Répare maintenant. Sinon, tu es dans cette catégorie. Regarde cette catégorie. Lavez-toi à parler des gens. Obligatoire. Il nous a dit ça même dans le livre d'Esaïe. Il nous a dit ça. Que l'enfer est déjà enlargé. Il a déjà grandi. Dieu il a grandi l'enfer pour en parler plus en plus. En tant que tu refuses de repenter, la parole qui te suscite la divinité, peut-être que tu es dans cette catégorie. C'est pour cela que tu ne peux pas repenter jamais. Tu ne peux pas accepter la vérité. Bien aimé, prier avec Dieu. C'est pour cela que depuis que tu dis que tu as combattu, le mensonge n'est jamais quitté dans ta bouche. Le mensonge ne quitte pas. Le triche, tu triches partout. Tu ne peux pas laisser la fin du monde. Tu lèves le monde, habillement le monde, habillement le Seigneur. Tu sais tout partout. Ce que ma mère m'a dit, je ne vais pas laisser. Le bout du soleil, je ne vais pas laisser. Le pantalon, je ne vais pas laisser. Habillé, celle-ci, je ne vais pas laisser. Parce que tu es parmi les sept gens que je suis unis. Les oreilles sont déjà fermées. Les connaissances sont fermées. Il ne peut pas jamais attendre. Il ne peut pas jamais accepter. Pour éviter la conversion, il ne peut pas. Parce que, il dit, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Ils sont tous, les oreilles bloquées, ils fermaient. Ils refusent, ils discutent la vérité. Ils attaquent la vérité. C'est ça qu'il fait dans les vies. Toi, pasteur, quelle catégorie que tu es? Tu es dans cette catégorie que tu as déjà préparée pour aller à l'enfer. Ça, c'est encore une autre opportunité pour donner ta vie à Jésus-Christ. Pour retourner dans la Bible. Jésus a dit de parler. Il y a des gens qui ont déjà préparé. Obligatoire, l'enfer doit envoler les gens. Il a déjà envoyé les gens plus en plus. Chaque minute, chaque seconde, les gens ont dit aller là-bas. Tu es dans cette catégorie. Quelle catégorie que tu es? Il y a les pubs, il y a les bribri. Quelle catégorie que tu es? Le pub et le bribri, dis-moi, réfléchis et passez de ta vie maintenant que tu vives. Passer de ta vie maintenant, tu es dans quelle catégorie? Think about your life now. The message says, the sheep and the goat. Matthew 25. The sheep and the goat. The sheep cannot repent. The goat cannot repent.
But the salvation is made for the sheep, because the sheep will hear the voice of their master. The sheep will hear the voice, and they are ready to do whatever the master says they should do. But the goat never will the goat repent. Never will the goat repent. They will want to demonstrate power. Ah, Jesus Christ is already. Le book va pour nous démontrer la puissance. Parce que le book il a la puissance. Mais le public n'a pas la puissance. Il n'a pas la puissance. Ils sont très calmes. Très calmes. Très facile. Très humble. Ça c'est le public. Le public est humble. Il est toujours prêt pour charger, pour répartir, pour accepter la vérité. Mais jamais le but. Le but discute la vérité. Discute la vérité. C'est ça qu'il fait toujours. Le but discute. Toute la vérité discute. Il combat, il persécute les enfants de Dieu, les frères de Dieu. Ça, c'est l'homme. C'est ça qu'il fait. Il prend le téléphone, il appelle les gens, il dit nous sommes. Il nous a suscités, il nous a mis il nous appelle n'importe quel nom. Oui, c'est ça que le souci a dit. On va le persécuter parce que nous sommes dans la vérité. On va le rejeter, on va le réveiller, on va le détester. Mais le Saint jour, le jour là viendra, on va voir. Tu as encore l'air, tu as encore le temps maintenant pour répandre, pour revenir, plus de souffrances. Sinon, Marc 4, 11, 12. Ça se passe. Jesus Christ has left. Have mercy, Lord. Tout le colère, petit mensonge dans ma vie, Seigneur, grâce. Je ne pardonne pas. Ah, Seigneur, pitié de moi. Pardonne-moi. Faux rendez-vous, mensonge. Avec le téléphone, Seigneur, pitié, pardonne-moi. Pitié de moi, Seigneur Jesus Christ. Et pitié. Je pardonne tous qui m'ont offensé. Je les pardonne, Seigneur. Je les bénis, Seigneur Jesus Christ. Je les bénis. Pitié de moi. Tout la parole négative que Dieu a prononcée sous n'importe qui. Seigneur, pardonne-moi. Pitié de moi. Lave-moi. Purifiez-moi avec ton sang. Seigneur, pitié. Pitié. Et pitié de moi, Seigneur Jesus Christ. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié. Je ne veux pas être parmi les catégories là, catégories que Dieu a déjà arrangé, prépare pour la condamnation. Je ne veux pas être parmi les cette catégorie. Si mon nom est déjà écrit dans cette catégorie, fais mon nom sortir dedans. If my name has written among this category that are going to hell, that we go to hell, that they will never repent, they will not be converted, so that their sin will not be forgiven. If my name, if my family, if my children, if my household, their name has been written here, Lord, I pray by the mercies of God, withdraw my name, wipe my name by your blood, remove my name, remove my ministry, the Lord of my ministry, see the Lord of my ministry, and there agree, it's on the door, parmi les gens là, tu vas t'amener à la fin obligatoire. Seigneur, pitié et pardonne-nous. Lave-nous. Fais notre nom. Sortis dans cette affaire. Pitié, Seigneur Jésus-Christ. Pitié. Tu vois la vérité. Tu ne dis pas parce que tu ne veux pas te persécuter. Quelqu'un vient te demander un conseil. Tu sais que ce conseil n'est pas bien. Au lieu de dire la vérité. Parce que tu ne veux pas que quelqu'un te persécute. Tu lui dis c'est bien. C'est bien à le faire. Ah! Dieu va te juger. Au lieu de dire la personne de la vérité, moi, je suis un enfant de Dieu. Cet conseil, voilà ce que la Bible dit. Moi, je ne peux pas te dire d'aller. Moi, je ne peux pas faire ça. La Bible dit que ce n'est pas bon. Donc, dis-le correctement et enlève ta main dans cette affaire. Ah, c'est pitié de moi. C'est pitié de Jésus-Christ. Lord, have pitié. Lord, have mercy upon me, Lord Jesus. Forgive us. Anywhere we have gone wrong and fallen short of your glory. Have mercy, Lord Jesus. Have mercy, Lord Jesus. Have mercy, Lord Jesus. L'esprit de la colère au milieu de nous, Seigneur, de la suite de l'esprit, Seigneur Jésus. Ah! Petite chose, Dieu, dans la colère. Petite chose, Dieu, dans qui est comme un flamme. Petite chose, Dieu, dans la colère. Ah. C'est pitié. Pardonne-moi. Pour rentrer dans le royaume de Dieu,
Il n'y a pas un petit péché que Dieu va accepter. Un petit péché, un seulement, à moitié de péché, à moitié seulement, tu ne rentres pas là-bas. Tu ne rentres pas là-bas. Demandez au Seigneur. C'est maintenant que vous et moi, on doit pleurer. On doit pleurer pour arranger notre vie maintenant. Avant de, qu'on ne doit pas terminer pour aller à l'endroit que jamais dans la vie, l'âme ne finit pas là-bas. Ah! Seigneur, pitié. Lord have mercy. It is now you and I. Need to cry and make our way right. Because we cry now so that we will never go to where there will be clashing of teeth, crying and weeping that will never end all the day. Ah, Jesus, be merciful, Lord. Father, have mercy. Be merciful. Thank you, Jesus. Mercy, Lord Jesus. Mercy, oh Lord. Mercy, oh Lord, I'm pleading for your mercy. Mercy, oh Lord, I am pleading for your mercy. Mercy, oh Lord, mercy, oh Lord, mercy, oh Lord, but I am pleading for your mercy. Mercy, oh Lord, I am pleading for your mercy. Mercy, oh Lord, mercy, Jesus, mercy, Jesus, I am pleading for your mercy. Mercy, oh Lord, I am pleading for your mercy. Merci, oh Lord. Seigneur Jésus-Christ, tout péché, toute chose que l'ennemi a planté, Satan a planté dans notre vie, que tout ce que nous avons fait, on doit t'amener à l'enfer. Toutes maisons que notre ancêtre ils ont construit à l'enfer, que toute notre génération doit t'amener à l'enfer. Seigneur, rappelle ton appel. Le temps que tu as venu chercher Abraham, ta miséricorde a tombé sur Abraham. Seigneur, tu l'as fait sortir dans cette terre, lien de sa famille, alliance de sa famille. Tu l'as fait sortir dans l'enfer et tu as préparé sa vie. Tu l'as mis dans le chemin de ton royaume. Et Seigneur, tu ne l'as pas laissé jusqu'à ce qu'il est rentré là-bas. Viens faire la même chose dans notre vie, dans le Jésus-Christ. Amen. Seigneur, viens faire la même chose dans notre vie, dans le Jésus-Christ. L'appel que tu nous as appelé là, tu as appelé notre famille pour venir nous choisir et nous faire sortir dans cette famille. Seigneur, des prières. S'il y a une alliance qui nous a fait d'appel tous les jours, s'il y a une écriture, s'il y a le sang, s'il y a les choses, qui a fait de nous appeler, qui a fait de déclarer et crier sous nous qu'on doit t'amener à l'enfer. Seigneur, à partir de maintenant, à cause de ce message, à cause de la vérité qui sort dans cet hôtel, Seigneur, localise cette alliance, brise et détruit au nom de Jésus-Christ. Libère-nous complices dans cette affaire. Seigneur Jésus-Christ, notre famille, nos enfants, Seigneur, qui soient encore attrapés avec l'alliance satanique dans notre famille. Qui a été d'envoyer tous les morts à l'enfer, Seigneur, on te demande aussi, va les localiser. Localise notre famille, nos enfants, notre mariage. Brise et détruit toute cette alliance qui est attachée au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne qui a dit que moi, avec ma famille, va t'amener à l'enfer. Que mon ministère et tous les gens que tu m'as donné, il va aller à l'enfer. Seigneur, déclare que cette chaîne soit brisée maintenant et détruite au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne de désobéissance contre ta parole. Toute chair, tout démon qui ne voulait pas que nous on fait toujours observation sur notre vie. Que chaque fois on doit faire observation de notre vie. On va examiner notre vie. Tout pouvoir qui ne veut pas qu'on fait attention, et on doit faire attention de notre vie. Que ce pouvoir, cet démon soit enterré avec le feu et le nom de Jésus-Christ. Pouvoir qui fait les gens pour comment de vivre, comment soit justice à toi-même.
Je suffis à toi-même. Les gens qui sont suffis à toi-même. Dis-moi qui fait les gens pour vivre et être suffis à toi-même. Power that makes people to live a self-righteous. That the devil has sent into us, that living in us, que le diable a envoyé sous nous qui vivent à nous. Je commande que cette pouvoir, cette démon, soit attiré par le feu de Dieu dans Jésus. Soit conjugué par le feu de Dieu dans Jésus. Seigneur Jésus. Notre Hymne, il nous a dit. Il dit, cherchez la sainteté. Seigneur, nous sommes là à te déplorer et t'appeler pour la vie sainte. La vie sainte, c'est toi qui donnes cette vie. On a déjà vu dans le Marc 4, 11 et 12, qu'il y a des gens obligatoires que toi déjà mets dans leur vie et il faut aller à la paix. Et ça qu'on dit les gens parce que c'est. Ils sont passés que parce que je suis en église, je vais aller au royaume de Dieu. Il y a des gens, on a fait le message qui dit, people qui ne sont pas people. Des prières aujourd'hui. S'il y a des gens comme ça qui sont autour de nous, à nous. People qui ne sont pas people. Que toi-même tu as bien condamné, qu'ils vont aller à l'enfer obligatoire. Que nous-mêmes on a été associés avec. Dans n'importe quelle église, dans notre église, c'est que tous ces gens soient. Chasse-les. Si il y a l'alliance entre nous avec cette gens, que cette alliance soit brisée de la vie de Jésus. Brise le nom de Jésus. Brise le nom de Jésus. Brise le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, aide-nous. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Que tout ce service satanique qui est en nous, qui ne veut pas nous laisser. Chaque fois, il veut que nous on continue de faire les choses qui nous condamnent. Seigneur, que cette semaine soit déracinée maintenant dans le Jésus. Seigneur, pitié de nous. Pitié de nous, Seigneur. Continuez de réveiller toutes choses qu'on doit commettre. La révélation, la Bible dit tout ça, tout ce que tu aimes, tu les châties. Châtie-nous dans tout endroit. Châtie-nous. Tout ça que tu dois faire. Pour nous faire regarder dans ton royaume. Fais-tu pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que les ennemis, que leur activité, que leur chien, ils sont mis dans notre fondation, notre lien familial. Pour nous envoyer à la fin, que cette chaîne soit coupée, brisée, détruite. Par la puissance de Seigneur Jésus. Par la puissance de Seigneur Jésus. Par la puissance de Seigneur Jésus. Merci Dieu, merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de son amour, prière. Amen. Amen. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Amen. Seigneur, continue avec nous. Fortifiez-nous et glorifiez ton nom de notre vie. Aide-nous. On peut réveiller tout ce qui est caché dans ta parole. Le mystère de ton royaume. On peut réveiller tout à nous. Donne-nous tout, Seigneur Jésus. Et comme tu nous as donné tous aussi. Que nous tous mettons en pratique. Vive dedans. Chaque minute, chaque heure, chaque seconde de notre vie. Au nom puissant de Jésus, avons prié. Amen. Et de prier pour nous tous. La révélation que Dieu m'a donnée. De prier que la ministère que Dieu il a mis dans notre main. N'importe quel pouvoir, il veut que tout ce pouvoir soit enterré par le feu de Jésus. Amen. Seigneur, on va faire notre mission parfaite. Et correct jusqu'à le jour là, tu vas nous dire bienvenue. Amen. C'est pas bien fait, c'est bienvenue. Prends ta place et on va tous recevoir notre récompense, notre couronne qui va glorifier ton nom. Amen. Que nous tous va continuer de chanter Hosanna, 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 au lieu du ciel, que ton nom soit glorifié. Reçois toute la gloire, reçois toute la gloire, que ton nom soit élevé plus haut dans notre vie. Au nom puissance de Jésus, avant prière. Amen. 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 C'est le temps de bénir notre Dieu et notre Seigneur.